Mais date ça li remonté plus loin encore dans l'histoire République dominicaine. D'ailleurs, président Luis Abinader Corona précisé ça dans discours là. Il expliquer pour qui raison qui fait c'est dans date ça nouveau président a prêté serment. Et il t'a fait un râle dans l'histoire République dominicaine et après t'a fini saluer bien entendu toute délégation qui t'est venue. Délégation ça yo ou jeune secrétaire d'état américain d'après information jeune ça fait plus que 50 ans pas de gagner un chef diplomatie américaine qui vient dans l'installation un nouveau président mais États-Unis avec Mike Pompeo dans reconquête République dominicaine puisque on République dominicaine et abandonné Taïwan et pour établir relations diplomatiques avec une dans l'ennemi dans quatre batailles hégémoniques et deux puissances ça mené et qui c'est la Chine et ça qui était États-Unis. C'est ça qu'expliquait présence Mike Pompeo qui sortit directement en Europe centrale pour te venir dans l'installation. Et puis tout, t'es une délégation haïtienne qui t'es dans tête pays, président Jovenel Moïse, qui a pile parole qui dit déjà, m'pas prêté sous yo, ni rencontre avec Pompeo, ni rencontre tout avec Abinader, qui lui même semble le paré pour t'arrêter un nouveau rapport, un nouveau partenariat avec Haïti. Mais question, c'est qu'on est-ce que Haïti dit paré? D'ailleurs, est-ce que Haïti jamais paré? Pour quoi que ce soit. Dans l'occasion installation nouveau président ça, de quoi était important pour nous connaître qui est lié lui-même qui s'est descendant peuple qui sorti proche orient puis précisément Liban qui papal fait en République dominicaine mais grand papal entré en République dominicaine dans finissement 19e siècle hein? Et papal était déjà candidat pour place président et c'est deuxième membre et descendant peuple qui sorti dans zone ça qui rivait président dans pays République Dominicaine. Eu tinha deixado uma empresa público. Jacobo Maluta, qui était président et Kuniela Livini, deuxième président qui sortit dans communauté ça. Mais son dominicain, dominicain lié. D'abord, li prêté serment avec toute une série de engagements. Dans discours li fait, il déjà voulu avertissement. C'est pas projet de société là il vient présenter dans discours parce que il dit il te débat de ça pendant période campagne électorale là. Bien que campagne électorale là nous connaît Covid-19 là un impact négatif sur lui il pas fait genre ça qu'on habitué fait d'ailleurs c'est première élection qui fait dans tout continent dans contexte Covid-19 là et dans pays qui a souffert en pile en bas maladie ça c'est à pas hasard et si président Abinader c'est sous question Covid-19 là même il commencer discours là pour le montrer en pile empathie pour peuple dominicain et faire le connait l'a souffrir mais pas pour compte lui faire connait lui avec yo et pral gain redressement une espèce de critique lui fait de gouvernement qui a l'air pour montrer toute initiative lui pral prendre pour couper virus après ça c'est question économique elle poser immédiatement parce que dans discours là il dit économie extrêmement important et épidémie Covid-19 l'a frappé économie dominicaine non qui yon nan élément essentiel li c'est tourisme et nous connaissons un secteur qui prend gros frappe nan épidémie ça c'est secteur touristique là mais il parle tout de l'autre investissement qui pral fait rapidement quitte c'est dans construction quitte c'est dans agriculture plusieurs secteurs yo pral investir là-dedans et li vini avec des chiffres et li montre et plan c'est déplatonner pral déplatonner. Il parlait de plusieurs aspects y a gagné pour explorer la question développement économique République dominicaine. Il fait un pile louange pour situation géographique République dominicaine dans la mer Caraïbe, dans la mer Turquoise que tout le monde a couru pour y venir baigner dans la mer ça qui chaud, qui gagne belle plage alors que Haïti gagne deux fois plus plage que République dominicaine. Mais nous connaissons dans quelle situation ni gens la parlé bon c'est exactement situation Haïti et sous et map mondiale là et l'a expliqué qui avantage ça bay République dominicaine pour rayonnement dans domaine économique ça mettait tout près puis gros marché consommation qui gagnait dans zone là qui c'est États-Unis en plus de ça tout ça permet dans Carrefour côté lié li capable impacter sous pays dans Amérique latine dans quatre batailles et émergence ak démocratie et ensuite appartenance yo à continent européen à travers histoire ak l'Espagne c'est tout ça yo li mettait en évidence et li censé célébrer
et appartenance multiple République Dominicaine qui c'est à l'Amérique et gros diaspora au gagnant qui dans pays États-Unis 2 millions et qui c'est potomitan pour Corée économie pour toute initiative qui apprend les affaires li saluer Big Apple là qui donc New York côté gain en pile dominicain qui a vive et en même temps tout li saluer Madrid et qui gain lien historique avec dominicain le sorti dans question économie li entrer directement tout dans rapport et diplomatique République Dominicaine a une série de pays, trois, les cités particulièrement, États-Unis, les cités l'Espagne, à travers l'Union Européenne, mais en passant par l'Espagne, et Haïti. Haïti, dans le discours, elle pas présenté comme un malheur, comme un madichon, mais lui montrer son pays, que il a marré avec lui, que ensemble, deux peuples, yo doit travailler ensemble. Relation bilatérale avec Haïti est très important pour la République Dominicaine. Nous avons conscience, succès, relation nous, pour dépendre de présence active, cohérente et de persévérance de l'État. Yo. C'est pour ça que nous devons continuer à renforcer instrument bon voisinage entre nous-mêmes et Haïti, faire promotion développement global sous frontières qui gagnent en deux pays nous, et pour nous concevoir une politique qui est sous sécurité qui diam pour nous capable contribuer pour la vie meilleure pour deux nations yo d'après ça le dit après le fin présenter aspect ça yo li bay de aperçu tout qui montrait c'est un intellectuel qui lit les cité Bertolt Brecht et dans discours là il attaquait question éducation contrairement à ça nous même nous te comprendre pas bon ici il montrer éducation République Dominicaine non système n'est pas bon du tout il pas bail résultat et système corruption rivé pénétrer dans affaire de contrat qui passait et pour faire pile construction l'école mais ça pas résoudre problème fondamental yo gagné dans système là côté ti moun quitter l'école avant l'heure. Il parlait de université, enseignement supérieur, et il parlait de toute réforme qui doit faire. Il dit, un pays démocratique qui gagne en pile ambition, pas capable d'avancer si le système éducatif n'est pas en forme. Et dans ce sens-là, semblait, il prêt pour faire une grosse transformation dans le système éducatif République Dominicaine. Il parlait tout de problèmes insécurité. Et nous-mêmes, pas bon ici, pas quoi nous soupçonner question criminalité, dans dimension, et nouveau président posé, qui sont véritables problèmes qui empêchent le développement République Dominicaine que de traiter rapidement d'après ça, d'y présenter. Bien sûr, ça nous connaît sécurité, ici, mais tout corruption. Il dit qu'il fait gros dégâts dans la démocratie dominicaine, non? Et lui-même, il s'est menté dans le discours devant mémoire papale et devant famine, il prend engagement pour ses intégrité, honnêteté, transparence qui boussole lui pendant 4 années, lui pral diriger République Dominicaine. Et il dit, l'argent peuple l'a dépensé pour peuple dominicain, hein? C'est gros engagement ça, lui prend devant peuple dominicain, hein? Et devant communauté internationale là, concernant problème République Dominicaine gagne pour colter à Kyo. Il dit, route lan long, parce que nous non période, nous pas gagné en quelle comparaison nous capable faire la parler là de conséquences COVID-19 là il pas pral faire faux promesses il gagne responsabilité devant peuple li mais il pas pral craser moral peuple en tout c'est ensemble yo pral travail pour yo capable faire espoir li porter journée jodi a dans tête République Dominicaine là tourner une réalité mais il fait connait République Dominicaine gagne des atouts République Dominicaine gagne des arguments que l'a servi avec yo pour capable faire développement République Dominicaine avancer dans Caraïbes là et pour l'y rayonner à travers le monde. C'est de président ça nous parle parler jodi a gagne deux invités qui c'est ancien ministre et ancien consul dans pays République Dominicaine qui c'est directeur exécutif Fondation Zile Edwin Parison nous connaît déjà et pour connaissance li pour maîtrise li de dossier dominicain. Donc les deux, Dominicain Haïti et un ancien consul en République Dominicaine, nous connaît tout, qui était ancien président chambre député, maître Jean-Tolbert Alexis. Monsieur, bienvenue dans l'émission Intérêt Public.
Eh bien, bonjour, bonjour Lily, bonjour à toutes les auditeurs, c'est un plaisir pour être avec nous encore une fois. Et puis bonjour à notre bon ami Tolbert, député Tolbert. Donc, nous allons laisser faire un bon programme. Très bien, bonjour Lily, bonjour et tout auditeur Radio Kiskia, spécialement émission Intérêt Public. C'est un plaisir pour m'inviter et bonjour ministre d'une raison. Et c'est vraiment un plaisir d'être capable de parler de toutes questions qui concernent la et éventuellement questions qui gagnent rapport à pays d'Haïti. Donc, on veut être un plaisir Lily pour participer à l'émission aujourd'hui. Évidemment, émission ça, c'est sous nouveau président République Dominicaine nan, et discours li prononcé dans l'occasion installation 16 août qui se passait là, en présence président haïtien Jovenel Moïse, qui était parmi les dirigeants étrangers qui étaient présents dans la cérémonie. Et puis, discours là, nous allons analyser li, et pour nous particulièrement, approche li gen de dossier Haïti. Et mais d'abord, commencer à un portrait de nouveau président République Dominicaine, non? Et qui c'est Luis Abinader Corona. Qui est-ce qui a commencé? Bon, m'da ka aller parce que comme sur place. Mais d'accord. Oui. N'a commencé d'abord avec un portrait nouveau président République Dominicaine, non? Et Luis Abinader et puis le Corona. Dans le moment où on a fait ravage. N'a aimé Edwin souhaité capable de camper pour auditeur et auditrice. Qui est-ce qui Luis Abinader Corona? Merci, merci Lily. Bon, par rapport à Haïti, ça que nous besoin bien comprendre de Luis Abinader en Haïti, premièrement, lui sorti non famille de migrants. C'est la troisième génération de migrants libanais qui arrivaient à la fin des années 1880. Qui arrivait en République dominicaine. Grand-père, d'ailleurs, même grand-mère, et tous les deux mounsa étaient migrants. Donc, c'est papa qui fait en République dominicaine. De toute façon, son monde qui levait, et Andy, à partir de génération papa là, donc, il a commencé à créer des activités lucratives, entreprises. Donc, monsieur levait dans le berceau d'or. Donc, son monde qui sortit dans la famille quand même, c'est pas la première génération de migrants, et plus ou moins, et avec des restrictions économiques. Sinon, la deuxième génération, il a commencé déjà dans une situation économique assez aisée. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et monsieur fait politique dans le PRD, le Parti révolutionnaire dominicain, côté que monsieur Tevin Gagné a une admiration extraordinaire pour Peña Gomez, qui c'est un politicien d'origine haïtienne, tant qu'on pile auditeur déjà qu'on aime. Donc, lui-même, de façon personnelle, lui vient suivre trace papale, parce que papa était dans la politique tout. Et papa, nous ne parlons pas de l'autre élément qui vient pour avec papa, mais papa était candidat à la présidence, papa a perdu des primaires, par exemple, face à Hippolyte Omeya. Donc, la famille Abinader, à travers de. Et aussi Abinader, impliqué dans la politique, dans le PRD. Le PRD vient divisé il y a plus ou moins 5 ou 6 ans. Et c'est Hippolyte Omeya, Luis Abinader et d'autres figures protagoniques du PRD qui ont formé le PRM. Donc, pour le PRM, il a été le premier candidat à la présidence. Il a gagné primaire face à Hippolyte en deux occasions. D'ailleurs, nous considérons ça comme une sorte de revanche familiale parce que papa, monsieur, t'es perdu en primaire face à Hippolyte. Et Kounyala, c'est monsieur qui gagne Hippolyte. Et en deux occasions, la première fois, il était perdu face à Danilo Medina. Et la deuxième fois, il retournait comme candidat du PRM. Et bien, il gagnait sous Gonzalo Castillo, qui était le candidat officiel. Troisième élément important à souligner, et le NAPC fait portrait, monsieur. Et puis, où est-ce qu'il y a que famille Sagan avec Haïti? Et la famille Abinader. C'est propriétaire d'une université, il y aurait les OIM, Ordre et Méthode. OEM, Ordre et Méthode. Et là, il y a recevoir son université qui probablement a autour de 40 ans de création. Et donc, c'est pendant ces 40 dernières années, moi, j'ai des amis qui ont étudié
L'homme arrive en 1983 en République dominicaine, il y a des amis qui ont étudié, même le pas en pile. Nous pensons qu'en 1983, probablement, nous pas plus qu'on 150 haïtiens pour toutes les universités dominicaines. Mais il y a quand même des étudiants à l'OEM. Et donc, étudiants haïtiens viennent former la première équipe de football qui pourra le porter l'OEM à championnat national quelques années après. Abinader lui-même, Luis Abinader, Corona, monsieur vient créer des entreprises dans divers domaines, dans le domaine immobilier, dans le domaine touristique et même dans la production de ciment. Donc, dans ces différents domaines, monsieur vient créer une clientèle haïtienne. Dans le domaine hôtelier, dans l'hôtel monsieur à Porto Plata ou bien dans la zone de l'Est de la République dominicaine, il recevra une clientèle haïtienne qui vient de la diaspora, soit des États-Unis, soit du Canada, soit de l'Europe. En ce qui a trait à ciment, eh bien, Cementos Santo Domingo Cap Van en Haïti sortit dans l'entreprise monsieur et qui fait alliance avec l'autre entreprise colombienne ou vénézuélienne, pas fin de changer trop bien. Donc, Abinader représentait pour moi-même la deuxième génération de politiciens depuis 1994, parce que la première génération qui vient remplacer les anciennes figures historiques comme Peña Gomez, Juan Bosch, Balaguer, eh bien c'est Lionel Fernandez qui montait en 1996. Et Abinader lui-même, eh bien, c'est une nouvelle génération. D'ailleurs, il a dit, il a souligné pile que c'est le premier président qui fait après Trujillo. Donc, c'est dans cette génération de politiciens, il est le premier à arriver au pouvoir. Il y a un dernier élément qui est important pour nous, et l'on a travaillé la cause haïtienne en République dominicaine, c'est qu'il est le deuxième membre de la communauté libanaise en République dominicaine à arriver au pouvoir. Donc, premier membre. Après Malouta? C'était Jacobo Malouta, justement. Après, au suicide d'Antonio Guzman, monsieur était vice-président. Donc, monsieur vient monter comme président et intérimaire, comme président, et en attendant de nouvelles élections. Et donc, monsieur fait quelques mois quand même. Et à la présidence, et Kouniala Abinader est venu comme deuxième président de la communauté libanaise. Ça, il est important, pile pour nous souligner, vu les restrictions et les barrières que vous mettez pour les Dominicains d'origine haïtienne, que probablement on a parlé de question ça, et puis devant. Mais, on dit, en cheminement à succès que M. Guéhen, Luis Abinader Guéhen, et un monde qui vient non seulement de la migration, mais qui vient tout d'une famille de politiciens. C'est un économiste et moi, c'est un intellectuel. Je vais regarder les factures et références intellectuelles et la faire dans le discours là. En effet. Et donc, bon, alors là, il faut dire que même le monsieur, il n'est pas. On dit que c'est. Il n'est pas un économiste. Très très connu, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de l'économie sa vie professionnelle, mais de toute façon, il y a une formation d'économiste. Les professeurs, tout? Je ne connais pas si M. Tebaï court dans l'université, mais je connais qu'à un certain moment, il était gagné des responsabilités administratives dans l'OEM. Donc, dans ce sens-là, je ne peux pas préciser. Mais c'est le 54e président dominicain. En effet. Nous-mêmes, pas bon ici, nous te suivons et c'est l'occasion pour me féliciter ou même à Yves Marie, Edwin, pour GFO nous te fait pour nous-mêmes en Haïti te suivre et élection dominicaine. Non? Et puis ça te fait te très impressionné. Ces gens, tout le passé malgré l'épidémie Corona, malgré tout problème qui gagne, malgré le report de l'élection, même soirée, à résultat bail et tout pour accepter. Non, définitivement. Oui. Et c'est un exemple, un exemple à succès que la République dominicaine. Ils ont écrit une page de leur histoire. Ils ont considéré justement l'élection comme des élections historiques pour deux éléments. Premièrement, par le fait que ils ont transformé en élection extraordinaire parce qu'ils n'ont pas fait la date que la Constitution a été prévue. Et deuxièmement, parce que c'était la première élection qui t'a faite dans l'Amérique latine et pratiquement dans toutes les Amériques.
dans le cadre de la pandémie mondiale. Donc, ça, il est arrivé faire et rôle la main. Et Jean-Jean dit la Liliane, quelques heures après, il a gagné pour le moins 25% des votes valides et déjà comptabilisés. Et quoique les résultats par surprenant pile monde, vu que tous les sondages, pratiquement tous les sondages, c'est probablement sur près de 90 sondages que ont effectué, c'est probablement une dizaine de sondages qui pas de bail à Abinader favori. Donc, ça a été un succès, un grand succès pour la République dominicaine. Député Alexis, c'est un exploit. Oui, c'est un grand exploit parce que un pays qui voisin nous, un pays nous a toute histoire, ça révèle que nous avons gouverné pendant 22 ans et puis nous-mêmes, nous pas qu'à arriver mettre un conseil électoral, par exemple, permanent sous pied depuis leur constitution nous en vigueur. Et nous-mêmes, nous avons un jeu de centrale électorale là, qui est permanent et qui fait des élections techniquement acceptables, correctes. Et malgré que nous avons des petits problèmes, bizarrement, nous avons une, deux, trois centres côté qui a manqué, que nous prenons courant, nous avons fait des dépouillement dans l'OP. Mais pas de gain grand désordre, pas de gain grand dérapage. Tout le monde a accepté le résultat de l'élection et techniquement, tout le monde qui était pour le travail pour faire au FEL et vraiment moi-même, j'étais vraiment étonné parce que même sans rien, le résultat 30% dans un premier temps, en 35 et 30% de gens et une dilaté qui est en fin de comptabiliser, il y a le premier bulletin et électoral là, premier bulletin 30% comptabilisé au bail, 30% sorti avec 22% devant Abinader, elle est généralement. Bulletin 30%, toujours, tout reste ça, suivi, tendance à toujours qu'il y ait. Donc, tout le monde est en presque fin de comprendre que malgré le monde qui était dans le dernier point de pays, qui n'a pas Pédernal, ou bien qui n'a pas Elias Pigna, mais tout le monde est en fin de comprendre que c'est même tendance à qu'il y ait, rapidement, deux, trois heures après, et Gonzalo Castillo, candidat qui était en face de l'IA, fait discours, le féliciter. Et puis après ça, Abinader pratiquement gagné le même soir, malgré COVID, malgré crise sanitaire mondiale d'ampleur considérable que nous ouais. Donc vraiment, c'est vraiment le son et son bagage qui faut l'esprit à Pierre parce que nous avons gardé tout près nous là, si ça fait, donc pour nous, nous avons fait mieux. Donc effectivement, il a été bien organisé l'élection du point de vue logistique. Tout bagage depuis un mois, et jeune centrale l'a déployé, tout bulletin pour lui. Donc, personnel, il était vraiment, machine vraiment débilé, et puis il a fait élection, et vraiment, et c'est vraiment de bonnes décisions, le son, et pour nous capables de garder et apprendre quoi. Oui, jeune électoral là, son véritable autorité liée dans la question élection, elle existe depuis 60 ans. Et oui, ma petite Edwin, vous m'avez avancé. Oui. Edwin, oui. Je te l'en lis là depuis 60 ans. Moi, depuis 1939, oui, beaucoup plus longtemps encore. Mais son véritable autorité électorale, moi, je devrais un avertissement là-bas et toute partie politique, yo, pour y avoir un rapport financier, il y a un délai pour y avoir un. Ah non, définitivement. Oui. Et d'ailleurs, bon règlement, en plus de rapport que vous devez avoir, mais il y a quand même perdu. Et on dit représentation, il n'y a pas perdu représentation pour deux raisons. Les partis politiques. Et le n'ont pas obtenu bon nombre de votes pour obtenir, s'ils n'ont pas obtenu, ils n'ont pas perdu. Et qu'il y en a, le n'ont pas bâillé les rapports, ou bien le conseil des critères et que n'ont pas respecté dans le financement obtenu au niveau de l'État, et ils n'ont pas gagné et des mesures très strictes qui prennent tout, et jusqu'à la perte de personnalité juridique ou bien de reconnaissance politique que vous avez parti. Depuis parti, vous joignez financement, vous pas retourné dans les délais, un rapport financier, vous sujet, je t'ai réuni la bonne décision, il est capable d'exclure reconnaissance, il est capable de prendre reconnaissance parti ça, et vous n'avez pas tout. D'ailleurs, c'est en pile pression qu'a fait. Et c'est un pile, par question, c'est un pile demande qui a fait dans ce sens ça, parce que c'est un pile parti qui n'a pas obtenu, et dont les partis d'extrême droite, les petits partis d'extrême droite, il y a un nombre de votes pour être capable de continuer à exister comme parti politique, parce que soit l'on compétition, qu'on seuil de votes pour faire ou pas faire, donc il y a plein de reconnaissance que ou gagner ou pas pour connaître comme pour parti politique encore. Donc, décision pour qu'on sorte dans ce sens ça, mais il y a des leaders de partis qui étaient déjà
t'as écrit et t'as parlé pour te dire que pour être capable de maintenir reconnaissance comme parti, mais je t'en pas délibérer sur lui, même parce que puis devant, il y a peut-être délibéré sur ça et pour prendre décision sur ça. On vient dans le discours installation. Et qui pourrait nous retenir? Discours installation, il y a un ensemble de points. Premier point, il y a relevé, il y a un conflit de santé, il y a une économie, gagner relations extérieures, gagner éducation, gagner institutionnalisation, gagner sécurité. Donc, sous notre sac parlé, nous sommes capables de dire COVID et il y a des mesures que l'IT a annoncées qui déjà, comme déjà, on a pris. Donc, par exemple, le président Abinader fait qu'il y 100 000 tests un peu en plus et il prévoit semaine prochaine, il y 100 000 tests encore. Il a annoncé qu'il y a 1000 médecins et infirmières. Et puis 12 l'hôpital de campagne. Non seulement l'hôpital de campagne, mais l'effet saute par 100 000 tests en plus pour qu'il passe à peu près à 7 000 tests par jour. Et l'autre semaine qui a fini, il y a plus de tests encore. Je pense tout que dans le jour qui a fini, il a supposé et tout a confirmé que nous faisons effort par rapport à salaire du collège médecin dominicain ou après revendiqué et tout a augmenté. Et bon, parce qu'ils auront bon en plus que pour le débaillot, il n'y a pas de baillot. Dernièrement, nous avons ces manifestations que nous étions obligés de faire, de trois sitting. Donc, je pense que c'est des questions que Libral, il était parlé de ça, et Libral et Chita Souli en ce qui a trait à COVID et santé. Donc, ce qui a trait à l'économie, il était parlé que Libral fait des investissements massifs dans la zone avec M. Mitterrand. Député Alexis, on est dans COVID, on prend point par point. D'abord, pour qui raison, selon vous-même, Edwin, il commence ce discours, est-ce que c'est compassion à la question COVID là? Il est temps ni en pile sous lui et demande des peuples pour compter sous lui, sous gouvernement non? Bon, je ne suis pas welcome compassion. Et est-ce que son critique l'a fait concernant le gouvernement pour aller? Bon, on dit que la première chose, c'est que situation extrêmement grave en République dominicaine. Donc, c'était une occasion pour lui-même, en tant que nouveau chef d'État, et pour le redire que Jean Bagala est là, si nous pas prenons les mesures qu'il faut, et non seulement les mesures étatiques que nous prenons, mais la population elle-même, si la population n'est pas prendre les précautions, n'est pas respecter les gestes barrières, n'est pas mettre les masques, donc la situation peut empirer. D'ailleurs, certaines projections viennent en montrer que pour octobre, le chiffre peut augmenter. Donc, alors là, il te prend le temps qu'il faut pour parler de COVID là, et surtout, il faut prévoir que la hérité dans le pays, dans l'État, qui justement affecté gravement par la pandémie. Donc, il parlait de COVID là tout, en façon pour essayer même expliquer, ça le prend le faire pour la relance économique, ça le prend le faire en termes de gestion sanitaire, et ça le prend le faire pour le tourisme, d'ailleurs son point sur lequel il était parlé un petit peu tout, vu que il était souligné non seulement la construction de nouvelles routes et qui pourraient connecter certains pôles touristiques, mais c'est la construction de nouvelles chambres d'hôtel dans certains hôtels déjà existants. Il parlait de 3000 chambres d'hôtel. Donc tout ça, et tout ça qu'il pouvait, avec capacité que le pays est capable de démontrer, pour relancer tête-là en pleine pandémie. Donc, pour moi-même, c'est ça qui était fort, c'est le message qui était fort. Mm-hmm. Et ça vient porter, Lili, et à certaines voix. Il y a certaines voix qui ont fait tendre là, et pour qu'ils ont respecté la trêve de 100 jours, que normalement, ils ont baillé le président. Alors, bon, c'est une sorte de pratique qui saute aux États-Unis depuis sous la présidence de Roosevelt et qu'en République dominicaine et plusieurs pays viennent essayer d'adopter le tout. Donc, ils ont demandé pour que tout le monde fasse effort pour bailler M. Trèves 100 jours avant que l'opposition commence réellement à frapper. Oui, période de grâce. Oui, si tu avais été dans 404, toujours, il était parlé de 2 millions de monde que je voulais inclure qui est dans le système santé pour le cadre d'assurance santé, parce que il y a un ensemble d'institutions que l'IPRAL
que l'hôpital des pour le capable de fonds pour le capable d'entrer dans le système de santé. Parce que c'était le premier point qui était touché, c'était santé, c'était COVID et santé. Effectivement, il était élaboré là, largement suivi. Et tant que je vais dire que santé a été là par rapport à la pandémie, connecté avec l'économie. Et après, c'était fini là pour la santé, à aller dans l'économie. Dans l'économie, tant que j'ai dit les bonnes routes, les îles construites, qui ont fait 2 heures de temps entre Puerto Plata qui a passé Santiago et Capital, les gagnés tout pôle touristique Pedernal qui tout collé nous, que les voulaient lancer, que les voulaient faire des investissements millionnaires, des milliards que les voulaient investir pour être capable de créer pôle touristique dans la zone et mer des Caraïbes. Ça. Donc, je pense que c'est une occasion, tant que j'ai toujours dit, pour Haïti, tu es capable d'essayer de mettre la commission de délimitation de frontières maritimes par le sous-pied, parce que je ne sais pas en pile travail, en pile mouvement la donne, et parce que c'est très bon pour le pays. Donc, l'idée parler de ça, mais il n'y a pas déjà, ouais, et dans l'existence suivre le journal économique dominicaine, il y a que croissance économique, relance économique, la paléa, il y a 2 secteurs clés, c'est surtout le bras fait, c'est les constructions, et puis agro-industrie. Construction, mais de Haïtien dans l'idée déterminante, d'une compte ça, nous compte ça, parce que nous avons plus de construction avant COVID, avant plus de chantier qui était en signé, mais qui campait dans la zone Punta Cana. Et c'est une magasin qui explique tout que nous avons à peu près 100 000 Haïtiens que l'OIM déjà recensé qui continuent de manière volontaire. Parce que en plus fois, mon capteur dans le secteur construction, c'est au jour le jour travail, c'est au jour le jour vivre, et ils n'ont pas gagné de moyens pour faire face. Était confiné au mois du mois, etc. Parce que le travail est campé. Donc, je pense que c'est une occasion encore que nous avons fait appel à l'État ici, à l'État combien, pour être capable d'essayer, parce que le COVID là-bas en plus de son. Ça veut dire que si le travailleur et ses outils, ça y est, nous avons construction, ça y est, l'État ici, c'est des travailleurs, bien papier, bien passion, bien pas gagné. Si on est capable de faire une compagnie, justement, qui est embauchée au A, t'as capable d'avoir une prestation légale parce que compagnie prend comme ça sur eux, mais le fait que quand il a d'ailleurs qui pas gagné justement documentation, moi rappelez mon leur, moi été consulté à Haïti et puis on est les plus ultimes, mais gagné une manifestation de à peu près 500 Haïtiens dans la zone Bayaïté et hôtel Drex qui t'a construit. L'homme débarqué, moi des sacs et bien Haïtien aussi que effectivement vous faites au travail, je suis sûr de payer où. Pas un jour, pas une semaine, mais ça, il fait, il est fait toucher parce que le travail n'a pas fini, il fait au été pour un mois. Et en sorte que, parce que le travail, ma sens, le travail fait au jour le jour, mais pas une semaine. Eh bien, il était connu que, il était capable de payer. Donc, c'est nous-mêmes, dans le consulat, moi-même, qui sommes intervenus dans l'hôtel Drinks, dans Bayaïbe, dans l'Est de la Dominicaine, tout près, à Oumana, qui fait que nous payons Mounsayo parce qu'en pile, là-dedans, effectivement, pas de gagner de documentation. Donc, je pense que c'est une façon, c'est un moyen par rapport à relance économique. Que vous êtes en route qui prend fait dans la construction et il y a plus de mes deux haïtiennes et agro-industrie parce que en pile chantier était fermé, en pile le monde est ralenti. Donc, je pense que là encore, c'est une occasion pour l'État haïtien lui-même qui est capable de commencer à défendre. Pour faire mes chapitres, ça, m'a dit que donc, c'est après le fin de faire toute salutation, particulièrement maman, parce que papa le mouille. Et madame ni et puis tout le monde qui était là toute délégation et puis lui rassurer Dominique pour dire vous n'êtes pas seul dans cette terrible situation et vous pouvez compter sur la solidarité et l'affection de tout le peuple dominicain représenté ici ainsi que sur les encouragements fraternels des nations sœurs et amis dont les représentants nous honorent de leur présence aujourd'hui. Donc, exactement. Et après, l'été cité, non seulement l'été salut président haïtien, Mike Pompeo, mais l'été cité Adriano Espaillat, qui c'est un Dominicain, qui est un sénateur de New York, qui c'est d'origine dominicaine, qui était gourmé pour vote et Dominicain à l'extérieur, yo, parce que Dominicain à l'extérieur, yo, compter en pile, parce que il est en premier pour changement, il n'a pas voulu continuer avec le régime PLDA, il y a un groupement qui a impulsé changement, il a bataillé le changement, à cause de COVID là, c'est ton bataille qui est faite. Mais bizarrement, et tout n'est pas allé de ça, il a parlé de ça encore, bizarrement, il n'y a pas, peut-être c'est pour proximité, mais peut-être Haïti tout pour gagner, il n'y a pas, je me permets,
ne pas jamais faire un siège de vote pour les Dominicains qui vivent en Haïti. Haïti, c'est un autre pays, le premier voisin qui est près de la République dominicaine, mais par contre, c'est parce que vous avez traversé à le voter, mais pas de siège de vote pour les Dominicains qui vivent en Haïti. Donc, il était salué toute personnalité saoudienne. Et justement, après et santé, économie, il était tombé dans relations extérieures. Il y a oui. trois pays que l'ité mentionné particulièrement, qui c'est l'Espagne, qui c'est enfin, les États-Unis, l'Espagne et Haïti. Soit Haïti, ils font une déclaration à Gabon Tourné sur l'Italie. Soit l'éducation, ils font pas. Ils Haïti très important. Ils disent 20% de monde dans l'éducation qui n'a pas fini l'école primaire. Ils promettent pour le bail chaque monde qui est dans le secondaire. Et ils ont un laptop, ils peuvent pour le bail au chacun laptop, et ils disent 20% de monde qui n'a pas fini, qui n'a pas bouclé le cirque primaire là. Et ils promettent pour le capable de remédier à la situation. La politique étrangère là, ils critiquent le gouvernement qui précède là, ils disent que la politique étrangère dominicaine n'est pas jamais efficace. Et nomination yo qui fait dans service extérieur yo en pile fois c'est bulletin politique yo distribué et ben il dit ça va changer kounye là à partir journée jodi a pas gen un gouvernement qui ap là pour mener gens de politique ça yo son gouvernement cap là pour servir peuple li qui pas mettre au service l'autre groupe et qui a pris des peuples pour capable rejoindre route li Edwin ça son critique en règle. Oui, seulement dans le consulat et dominicain à New York, il y a 47 vice-consuls. Il y a 47 vice-consuls. C'est-à-dire que seulement New York. J'avais dit que son bagage qui ont gens et qui ont gens inédit parce que pas quoi que par exemple Haïti ne pas arriver sur ça, non seul consulat. Seulement dans le consulat New York. L'idée non sans clientélisme qui existait, même il y a en Haïti. Dans la nomination. Tout à fait. Mais vu de l'extérieur, moi-même, Edwin a toujours eu l'impression que la diplomatie dominicaine est une diplomatie qui était efficace. Bon, alors il faut dire que la République dominicaine, il y a toujours un grand respect pour nous en termes diplomatiques. Là, on a parlé depuis Jean-Price Mars. Et puis, vous venez d'autres figures diplomatiques. Bon, si on prend plus proche nous, ouais, on prend le défunt Guy Alexandre. Qui est le premier ambassadeur Haïti nommé à partir de l'ère démocratique après la chute de la dictature du Valériste. Donc, et Guy était un brio en République dominicaine. Et donc, de là, nous venons des monde pour Guy Lamotte, qui était chargé d'affaires. Et donc, c'est des personnalités que la société dominicaine a été respectée et il a toujours dit que la diplomatie haïtienne était toujours plus percutante, était toujours plus performante, que nous avons plus de connexions internationales que nous, particulièrement ça qui a pouvoir avec la question haïtienne. Il a toujours peu de diplomatie. Cependant, pendant les dernières années, malheureusement pour nous, et le diplomatien vient prononcer des scandales, vient prononcer des situations qui pas fait au nord pays. Donc, dans ce sens-là, je suis totalement d'accord avec mon ami Tolbert. L'homme se soulignait ce qui est vrai. Et le personnel pléthorique qui existe dans les missions diplomatiques et consulaires de la République dominicaine un petit peu partout, et c'est peut-être ça. Et l'équipe de Luis Abinader, dans le document de politique générale qui a été présenté à la Junte centrale électorale et à la nation, il a été dit qu'il va faire une réforme en profondeur de la représentation internationale de la République dominicaine. D'ailleurs, décision a commencé à prendre. Hier, le président Abinader a rappelé, il n'est pas même rappelé, c'est pas un simple rappel, parce qu'il a rappelé au service central pour retourner continuer le travail. Mais dans ce cas-là, 20 ambassadeurs avec une femme ministre conseillère, et ils ont révoqué. Et ça a fait un petit peu de bruit dans la presse. Ils ont même dit que façon que révoquer Mounsayo n'est pas fin trop élégante. Donc il y a un problème, comme dans notre cas. Et chers amis auditeurs, et la diplomatie dominicaine n'était pas jusqu'à présent. Et c'est qu'on y a là, il y a plein des initiatives pour reformer
et pour redorer le blason de la diplomatie dominicaine, mais c'est comme nous pratiquons, c'est comme nous, et Jean Conen là, pendant les dernières années, et là, le ministère des Affaires étrangères d'Haïti, eh bien, son sorte de boîte de négociation que le TIE, et pour l'exécutif haïtien. Alors, tu m'excuses, mon ami Tolbert, donc, il y a eu le sénateur, et il y a offert au poste, et donc, Mounsayo, et mette famille, et dans les différentes missions diplomatiques et consulaires, et donc, nous vignons, mais même, et vous m'excusez que je me fais référence à moi, mais l'homme travaille Barahona au consulat de Barahona en 1995, on était seulement 5 personnes. 5 personnes. Y compris le petit personnel. C'est-à-dire, y compris le petit personnel. Et 5 personnes, grâce à Dieu, pendant notre passage et aux différentes missions, premièrement de Barahona et ensuite à Saint-Domingo, il n'y a jamais eu de manifestation de la communauté haïtienne qui a bien plein dans bien nous, qui a bien dit que soit que nous pas au service, soit que mon problème quelconque au niveau et des missions que grâce à Dieu nous avons dirigé et que je remercie l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi et à ces postes-là. Donc, le problème de cette diplomatie mal représentée, les communs à nos deux pays, Lili. Ok, oui. Mais il y a une table de frontières d'intervention sur la question de l'IA qui est très réelle. Non seulement, mais malgré tout ça, nous dit là, que la diplomatie dominicaine a gagné, mais l'IA arrive à inverser cette tendance-là, et il est arrivé à prendre le dessus sur Haïti, et il est arrivé à stagner la diplomatie haïtienne en République dominicaine. Je vais l'expliquer. Pendant ces derniers temps, gestion Miguel Vargas, là, aucun n'a son point politique, mais il y a un paquet. Avancer le fait. Pour la première fois, la République dominicaine, même conseil de sécurité, ça se marque à inédit. Un, deux, deux. Yo établi un centre de relations avec les pays africains, parce que pas oublier, question, c'était toujours immigration, c'était toujours maltraitance, c'était toujours maltraité haïtien. Donc, yo arrivé, avant, dans l'époque justement, Guy Alexandre, que mon ami Edouna Paléa, comme si Haïti était une diplomatie qui t'a montré que ils sont victimes et que les victimes de racisme, les victimes de. Et dernièrement, là, ils ont été allés pour condamner la République dominicaine dans le Conseil des droits de l'homme en Europe pour genre de questions. Donc, maintenant, avec le temps, et question ça a presque vient évacuer, question ça a presque vient effacer. Yo t'as presque pas, ouais, et toujours qu'il y a des abus, toujours de. Donc l'État ici, on t'a qu'à dire, diplomatie haïtienne a presque baïonné, et même le peu de défense et qui t'est gagné. Alors, on va parler sur le régime Abinadel, parce qu'il est vraiment bon l'autre approche, et Abinadel est vraiment différent, et c'est ça qu'elle dit, c'est le gouvernement de changement. Mais si on regarde les avancées qu'il fait, yo, ou regarde des batailles qui fait par rapport à la récession sur le 13, que le par exemple, moi-même, le président de la Chambre, il a déplacé, il a rencontré Hippolyte, il a parlé dans la CETA, il a parlé dans la radio, coup américaine, coup interaméricaine des droits de l'homme, bataille, côté a dit qu'il n'y a pas gagné le monde qui est apatride, eh bien, il y a arrivé plus ou moins contenu et gestion calamiteuse que le gouvernement a été fait de questions, en côté que question a été multinationale, car il compte prendre la galère en main pour nous, il y a même. Et via justement le programme Petro-Caribe, ça, qu'on vice-ministre vénézuélien, que diplomatie dominicaine n'a passé, il a mandé Haïti à négocier bilatéral avec la République dominicaine. Haïti qui était un support CARICOM, il perd du support CARICOM, bilatéral multilatéral, il retire le multilatéral là, bilatéral pour le cas perdu. Et en sorte que peu à peu, question en vie n'a pas. Atténué, parce que le récession sur le 13 ans, niveau, bah, là, t'es du point de vue international, t'as pas affecté l'image de l'Union Dominicaine, t'as pas affecté l'horizon, parce que quand même, moi, et d'une connaissance, Noël, qui est un pile monde noir américain, un pile monde noir, un pile monde de couleur, un pile monde de race mélangée, parce que je vous dis assez sali, c'est un monde, et pour le clair, mais les gars, famille noire, et donc ça vient fait que, et monde, ça n'est pas content, Jean-Baptiste a parlé, et puis,
diplomatie dominicaine, Navarro, par la terre amenée, ramenée, qui était ministre de l'Affaires étrangères dominicaine à l'époque. Donc maintenant, malgré que des problèmes en République dominicaine, mais diplomatie dominicaine a fait travail. Oui, mais depuis d'Alexis, bon, vraiment désolé, parce que ça va expliquer qui t'a montré efficacité, là, c'est contre nous-mêmes. Voilà, mais c'est ça. Ouais. C'est contre Haïti. C'est pas rapport à nous. Non, ouais. Oui. On nous centre sous discours président, nouveau président dominicain. Okay. Côté que moi particulièrement ça le mettait en évidence, il parlait de premier partenaire commercial et stratégique, yo, c'est États-Unis. Il pourrait renforcer partenariat et côté tout gain 2 millions de dominicains qui a vivent. Donc États-Unis extrêmement important pour Abinader. Oui, il est important pour lui parce que ces dernières années, nous avons dit depuis les années 90 ou un petit peu plus bas, où jouent un pays dominicain sorti voyage en pile, comme si ils viennent immigrer et y aller principalement aux États-Unis. Dans 2 millions de gens, on croit qu'il y a à peu près 800 000 là-dedans qui sont illégaux et 1 200 000, il y a à peu près 200 000 là-dedans, 200 et quelques mille qui sont dominicains, qui sont américains ou dominicains, qui font tabac, il y a à peu près 1 million. Qui c'est résident dominicain légal, il y a à peu près 700 à 800 000 qui sont illégales. Faut nous capable, dans 2 millions, c'est à peu près comme ça le chiffre. Donc, et c'est important parce que l'argent, même j'avais nous, l'argent remet ça, transfert d'argent que 2 millions nous a approuvé par les familles en République dominicaine, donc poids dans l'économie. Et lui permet tout que yo. Et au fur et à mesure, et Dominicain a bien plus présence. Dominicain, Américain ou Dominicain a bien plus présence. Par exemple, Sherman Parti Dominicain. Sherman Parti. Démocrate là, Parti démocrate là, sont Dominicains. Voilà. Et Grand Paquet. Chef police de New York, gagné Adriano Espaillant de Boujan de Tia, qui est un sénateur. Donc, au fur et à mesure, Kounia. Il y a occupé des positions importantes et diaspora prend plus poids à tout. Donc, et diaspora toujours connecté à pays, il y a toujours tient à ce que pays avance. Ça, c'est aspect immigration. Mais Edwin, mais aspect bilatéral, global et stratégique dans la diplomatie République dominicaine par rapport à hyperpuissance. Non? Bon, on dit que vous avez la présence d'une personnalité importante avec le secrétaire d'État. Et Mike Pompeo, d'ailleurs c'est pour la première fois pendant les 50 dernières années qu'on a une représentation des États-Unis à ce niveau-là. Et ce monsieur, le secrétaire d'État américain, durant la campagne, non, monsieur était cité en pile à cause d'un appel téléphonique que l'était fait à un président sortant, l'ancien président, le président Danilo Medina, vu et volonté en divinité et toute démarche que Medina a fait pour essayer faire réforme constitutionnelle afin de se représenter comme candidat à la présidence. Donc, même le, et ni département d'État, ni le gouvernement dominicain pas déjà révélé le vrai contenu de cet appel téléphonique, mais dans l'opinion publique, il était clair que appel l'ont allé dans le sens de dire que les États-Unis ne voient pas d'un bon œil cette démarche du président Medina. Et d'ailleurs, monsieur, il était prévu un agenda de rencontre et lors de sa présence et pour l'investiture de Abinader, et côté que il rencontrait tout Medina. Il rencontrait Luis Abinader et comme nous connaissons, il rencontrait le président haïtien. Donc, mais est-ce que donc, oui, grand pays oui. Non pas cité là, mais nous connaissons qui dans tête tout le monde, c'est la Chine. Justement, oui. Accord avec la Chine, il va mettre un froid entre États-Unis et République dominicaine. C'est ça, d'abord dit justement. Les États-Unis, même ils ont publiquement et ils ont pas déjà exprimé de façon trop admettez entre guillemets. De façon trop dure, et cette lancée diplomatique de la République dominicaine vers la Chine, et relations diplomatiques établies entre deux pays. Mais cependant, il n'y a pas de gens trop d'accord, il n'y a pas de gens moins d'un bon oeil. Donc, présence, monsieur,
et pour un pile analyste politique en République dominicaine, et vle dit tout, eh bien, nous pas laisser contrôler base nous, nous pas laisser contrôler Bayo, nous pas laisser probablement même freiner façon que relation Dominico-Chinoise a progressé. Et bon bagaille qui est important pour nous souligner là, pour les amis auditeurs capteurs de nous, le lendemain de la victoire du président Abinader, et monsieur recevoir la visite de deux autres personnalités internationales, c'est l'ambassadrice des États-Unis et l'ambassadeur de Chine. Et côté que, à la sortie de ces deux personnalités, eh bien, monsieur expliquait plus ou moins et qui est le contenu de l'échange. Bon, ça que vous avez révélé, parce que pile dans le bagage, ça que vous avez révélé. Mais lors du discours d'investiture, il citait les États-Unis comme principal allié. Il n'a pas manqué citer la Chine. Il n'a pas manqué parler de la Chine. Mais est-ce que la Chine a une délégation qui était là? Non, je suppose ça. C'est la doctrine de Monroe qui retournait. Oui, je suppose que c'est une délégation au niveau diplomatique. Probablement, parce que comme il n'a pas salué au début de son discours un représentant de haut niveau de la Chine. Donc, sûrement, c'est l'ambassade qui était là. C'était une représentation au niveau diplomatique. C'est l'ambassadeur qui probablement était là. Oui, Edwin, est-ce que nous retournons à la doctrine de Bono, l'Amérique pour les Américains? L'Amérique pour les Américains, pratiquement. Et même nous pas qu'à dire de façon aussi large, mais de toute façon, l'influence des États-Unis se sent, et nous sent-il, il est palpable, il est évident, et de façon beaucoup plus aiguë en Haïti. Là, c'est un négorante que j'ai ouvré. Mais en République dominicaine, cet incident, cette influence, eh bien, nous sentions tout. Et là, les dirigeants dominicains, ils ont toujours essayé, eh bien, faire des bagailles qui allaient dans le sens des intérêts des États-Unis. Et oui, mais économiquement tout, et capital américain présent. La décision de lancer des relations diplomatiques avec la Chine a été une décision réellement osée, une décision courageuse, mais ils ont retrouvé une situation côté que ils doivent quand même et contrôler et comment il n'a pas avancé avec la Chine. Et pour le président Abinader, pour le PRM, il dit déjà publiquement que il n'a pas entreprendre rien avec la Chine qui vient pour eux avec des domaines stratégiques de la République dominicaine. Donc, ça veut dire que les relations avec la Chine, il n'a pas réduit à des échanges commerciaux et des échanges commerciaux et qui n'a pas arrivé à des niveaux stratégiques. Oui, parce que accord avec la Chine, non, ça veut dire c'est rupture avec Taïwan. En effet. États-Unis a porté à bout de bras. La représentation de Taïwan obligée de plier bagage lui et l'aller. Et donc des civils, là, c'était clair. Vous sentiez dans le discours quand elle repositionné et prépondérance américaine non dans rapport avec République dominicaine, mais il y a toute histoire de présence et capital américain dans l'économie dominicaine non, parce que c'est pas hasard Haïti trouvé dans situation ça. Quitte c'est République dominicaine dans fin 19e et au tournant du 20e, quitte c'est Cuba, c'est là que machine notée pour faire transformation, pour mettre et valeur ajoutée, et bras qui corvée à bon marché, yo sorti en Haïti pour aller couper con en République dominicaine ou bien Cuba. Et tout c'était capitaux américains. Rapport à République dominicaine dans le domaine et développement économique, là, il a longtemps. Oui, totalement d'accord. Nous totalement d'accord. C'était la division, qui a été faite et le rôle que chaque pays a joué sous Ilia pour les grandes puissances, et particulièrement pour les États-Unis. Nous d'accord avec ça. Haïti, là, pour le voir, brasser officiellement. Kounia, là, il parlait de l'autre puissance, tout, qui c'est la puissance européenne, mais par le biais particulier et rapport très spécial avec l'Espagne. Oui, l'Espagne qui c'est pour l'alma mater, il parle de l'Espagne, mais il parle de trop de l'Espagne, mais et d'autant plus que parmi les jours, fait ce coup-là, c'était la journée. C'est la fête nationale de la restauration de la démocratie dominicaine. Et c'est la deuxième indépendance qui a été prise dans l'Espagne, justement. Donc, il y a toujours dû marquer l'Espagne, il y a toujours signalé l'Espagne comme la mère patrie, mais il n'y a pas vraiment hérité, il n'y a pas vraiment hérité par l'empile de l'Espagne. Vous avez bien souligné que Haïti, c'était toujours fait un pays qui pour fournir bras, parce que
tu as à peu près 12 usines sucrières en République dominicaine dans les années 1900, 1915, etc. Il y a 11 là-dedans, c'était pour des Américains, son grain qui était pour Dominicains. Et c'est à partir de là, campagne a commencé en Haïti pour montrer aux paysans haïtiens que les plus bon pour lui que le travail était Saint-Domingue, que le travail était dans le pays. Parce que l'haïtien, dans les années 1900, pas qu'on a allé travailler au Dominicain, c'est des gens qui sont sortis de Caïcos, et dans Tianti, qui étaient rendus au Dominicain, mais avec le temps, ils ont fait. Mais maintenant, et tout absolument fait, qui est très important, parce que il y a un petit détail que je n'ai pas, c'est que effectivement, Abinadel, on a presque parlé que le compte dette envers l'Américain. Parce que, jour pour Danilo, comment ces réformes constitutionnelles là, projet de loi dans le Sénat, l'issue, l'autre du jour, qui a pral évoqué, mais c'est juste ça même, et Pompeo fait appel là, et pour Pompeo fait appel à Danilo, le Sénat, il dit retirer. Projet à l'autre jour. Pas besoin, donc, sûrement, il fait Altagrasa Salazar, son gros journaliste, enfin, son journaliste vraiment connu, extraordinaire, tu parlais de ça, il est son frère. Non, non, je vais vous dire, ou après contre une machine, ou pour frapper mon mur, ou tellement son frère, mais mon même tête frappé. Parce que c'est ça, le terrible, même ta fume, parce que l'autre, ils sont damnés, le font frère terrible, mais c'est appel ça, et Abinadel, bien comprendre que, et qui ça, américain représenté, non, et ça, effectivement, l'ambassadeur chinois était là, mais il n'a pas mentionné la Chine. Et la Chine, puis quoi pour le protocole dominicain? C'est 600 millions de dollars que le Daniel Hotel fait 5 jours en Chine pour Punta Catalina. Abinader, Punta Catalina, son centrale électrique qui n'ont pas utilisé qui est à l'est de la République dominicaine. Il a fait à base de charbon, il a fait le biocarburant d'énergie. Mais Abinadel déjà mandé un film international pour venir faire une audition, pour venir faire une enquête et pour le garder, parce que il dit qu'il y a une pile corruption dans Punta Catalina. Abinadel déjà mandé un film international pour venir faire audit sous gestion et Danilo dans phase. Donc effectivement, il pense que Américains ont un poids et Américains ont été sentis, et c'est ça que Pompeo est venu. Le République dominicaine, il crée un paquet de confiance avec elle, son partenaire, ses voisins par rapport avec Porto Rico. Il était censé prendre un coup parce que si tu attendais à l'époque que il fait une relation diplomatique avec la Chine, Marco Rubio a dit que les Chinois soudoyaient Danilo. Et bien, ça a attiré la colère de une grande partie de la classe politique dominicaine. Non, parce que le Timago ou bien qui se descend dans Cuba, pas supposé venir entrer dans l'affaire interne et que c'est pour intérêt. Donc, il y a un pile monde fâché, mais depuis lors, Américain vit moins que fort par les Dominicains, ils ont un encadrement beaucoup plus serré, fort beaucoup plus présent. L'idée pour un point à qui trop. L'idée pour un point à qui trop, et depuis lors là, et où c'est tout à changer. Et vous regardez pour dans tout processus. De tentative d'amendement de constitution que Danilo va le faire, et non seulement Pompeo a tweet, la pas message, il n'a pas avancé, donc jusqu'à ce qu'il fait appel décisif là, et Danilo obligé de camper, et puis qui va y résultat le bail. Oui, Abinader a formé à l'université américaine tout. Oui, il formé à Vod, et monsieur c'est en fait, au début, monsieur était condensé, on te posait question, au début, monsieur était condensé dans OIM, université là, et puis il vient quitter ça. C'est son cathédrale, il était commencé jeune pour professeur, mais c'est pour mon carrière, il était remé, et puis il est plus allé dans l'entrepreneur. Mais comme l'université, il était gagné, mais au début, non seulement il était venu passer dans l'administration, mais il était commencé en CI. C'est effectivement, c'est un homme, je t'ai dit, qui ont bon CV, qui c'est on est bien instruit, bien formé, et qui justement il est utile faire vote et il parle anglais. Je t'ai même demandé pour mettre anglais comme seconde langue. Il fait ça dans le programme, anglais était supposé seconde langue et pour la République dominicaine. C'est un mec très ambitieux que monsieur vient en tête parce que j'en dis à livrer, on vraiment fait un rapprochement. Et très clair, très direct avec Américain. Mais je suspecte que monsieur sont américanophiles. Parce que dans le discours là, ouais, j'ai parlé de New York. Effectivement, je ne suis pas caché. Je vais dire c'est clair. Comme si, on a dit dans le programme, et on a dit tout le cas confiance à vous, il était même dans le discours que tu as fait, il était pour lui-même, fort que la République dominicaine a gagné l'anglais comme langue seconde. Ça veut dire que c'est bon, on est caché, proximité, amour et attachement à Américain et. Et avec
fier, mon frère, mon bien content. Tout ce mérite que tu as gagné là, dans le contexte après Danilo, après relation qui vient établie avec la Grande Chine, côté que dans quatre compétitions bataille entre deux superpuissances, ils ont cherché à rentrer sous terre l'autre, ils ont cherché à rentrer dans ces médecins peuples. Mais il a assumé double appartenance à la République dominicaine, à la fois à l'Amérique et à la fois à l'Europe. Parce qu'il parle des rues de Big Apple, là, New York, mais tous les rues de Madrid. Tout à fait. Les Dominicains sont toujours très alma mater, comme si ce n'était pas Dominicain, mais quel que soit, depuis qu'il parle espagnol, il parle même des couleurs, il connaît que l'Espagne, c'est ça, son alma mater. Donc ça vient de faire que origine, ou t'as dit, héritage colonial, linguistique, ça, et peut-être. Culturel en partie, il y a toujours Kimbil et il y a toujours revendiquel. Donc, il y a toujours revendiquel et Abinader l'a lié dans le même lit. Très bien. Eh bien, Edwin, député, oui. Nous y venons faire première partie émission. En effet, et nous croyons que ça a valu la peine. Parce que faut que nous t'aider à ce que la nation haïtienne mieux connaît acteurs politiques, mieux comprenne processus électoral dominicain et la vie politique et dominicaine dans son ensemble. Et heureusement pour nous, et nous arrivons à faire un dion bagaille sans précédent, parce que c'était une sorte d'alliance entre des médias dominicains d'un côté, qui te permettent d'utiliser Imagio, et qui te permettent d'utiliser leurs reporters dans les rues, parce que nous sommes capables de brûler certains reporters pour être capables de dire nous comment bagarre pendant la journée électorale là, et une trentaine de médias haïtiens qui t'ont accepté tout, et bien rentré dans l'opération médiatique ça, dans la couverture médiatique ça, pour qu'en Haïti, nous informer à la minute même de la journée électorale, cette journée électorale historique de la République dominicaine qui vient bas comme résultat la victoire incontestable de président Luis Abinader. Oui, bon, la prochaine fois tout, dans 4 ans, parce que le même rendez-vous, c'est chaque 4 ans, en 2024, prochaine élection. En effet, oui, donc et c'est bien, déjà... Dans ça, nous avons pu avancer au point de vue technologique pour éviter tout petit problème qui te gagne. L'autre invité, c'est ancien président chambre députée dans le pays d'Haïti, mais tout qui était venu consul d'Haïti dans Higoué, n'a parlé de maître Jean-Tolbert Alexis. Et maître oui. Alexis, combien de temps t'es fait en République dominicaine? Je fais 17 mois, et puis après ça, j'ai été rappelé par le gouvernement de Jovenel Moïse. Je fais exactement 17 mois, et puis le nouveau gouvernement, le gouvernement, ça a montré qu'il a retiré tout diplomate que le gouvernement et le président privé a intégré et retourné à Haïti. Et c'est sous qui gouvernement t'es nommé? Sous président Brivère, nous retournons sous président Jovenel. Pour quand même bien comprendre la situation en République dominicaine et rapport République dominicaine à Haïti. Et c'est le troisième point que nous pourrions prendre, puisque c'est trois pays qui ont été cités dans le discours là, principalement. Et qu'on est là arrivé sous relation bilatérale avec Haïti, il dit qu'il est très important pour la République dominicaine. Nous avons conscience que succès relation ça dépend de présence active, cohérente et persévérante de deux l'État. Yo. C'est pour raison ça, nous devons continuer pour nous renforcer instrument bon voisinage avec Haïti, pour nous faire promotion, développement global frontière en deux pays nous yo, et pour nous concevoir une politique de sécurité efficace pour contribuer pour la vie meilleure de nations. Et te gagne pile applaudissement. Très bien. Ça me qu'a dit avant que Edwin enchaîne, c'est que ça vraiment, c'est vraiment très court, mais très succinct, qu'il dit en pile bagaille. Il dit en pile bagaille parce que il parlait de développement, il parlait de sécurité, il parlait de fortifier les relations. Effectivement, si on a regardé à travers tant que ce passé, Haïti est un genre stagné, ça veut dire que Haïti est un genre frise. Haïti, son bail, que Dominique, par contre, pour le régime PLP qui s'est passé à toute raison, il n'y a pas de grand progrès qui fait entre question binationale, il y a question d'hérité là. Effectivement, le nouveau président lui-même a besoin d'aller plus loin. Il a besoin d'aller gagnant-gagnant, il a besoin de gagner dynamisme, il a besoin que Haïti, il a dit dans le programme, il n'y a pas de vendre des produits en République dominicaine. Parce que, nous changeons là, et nous
te pose question ça, ben yo te dit que c'est des moun qui pas vle Haïti vin vendre des produits. Donc la question pas à sens unique. Donc pense là, li te très clair, li très clair pour li que li vle yon l'autre approche nan question développement. Ça me comprend par exemple, elle dit nan question développement intégral frontière là, bon modèle groupe Côte d'Ivoire et dans zone Wanamet, dans zone d'Arabon Wanamet, côté que il y a près de 14 000 Haïtiens qui sorti Wanamet qu'al travail d'Arabon, bien que c'est dans sous-traitance. Bon, et c'est quand même en subsistance, mais c'est pas, nous t'avons beaucoup plus, mais c'est ça pour l'instant qu'il a. Donc modèle et mon côté Vio, Fernando Capellan, et yo gagne un conseil de groupe extrême droite de Castillo par exemple, Vinicio Castillo qui était candidat pour sénateur républicain dans la capitale là. Michel lui-même dit que sans frontières, pas de nation. C'est un mur qui vous mettez véritable frontière là entre Haïti et Pluton, un mur physique. Donc, équipe entrepreneur, ça veut même dire que vous avez un mur d'opportunité. Ça veut dire ouais, que tant pour en pile Haïti qui monte, en pile Haïti qui arrive, ce n'est pas mauvais bagage, il le fait, mais c'est travail, il le chichi. Mais vous dites, quittez tout fait, mettez opportunité pour le jeune travail là sur frontière, consacrez pas besoin de monter plus haut. Donc, et développement intégral, par exemple, président Abinader a parlé avec Sahara, tout qui est modèle Sahara, à savoir pour des industries, parce que comme République dominicaine n'est pas stable, et qu'en Haïti, des fois, instabilité, problème pour entrer en série de bagages rentrés, fait que et nous faut perdre un pile travail dans pas caracol pour une question d'instabilité. Donc, il dit que. Et que vous faites développement dans le bon paramètre de travail, et puis Haïtien est capable de monter, fin de travail, ça va pas empêcher Haïtien de monter plus haut, et ça va réduire l'immigration illégale. Mais si c'est si ça, c'est très réducteur. Si c'est ça, ta vision, Abinader. Ça, c'est un aspect, et c'est pas seulement ça, mais les mêmes livres-là, les plus hauts, ça, c'est un balou du commerce, là. Commerce-là, où est dans un compte, comme vous me dites déjà, que le président Jovenel te gagne avec, lui demander pour te gagner 6 jours, de marché binational. Les marchés pas marché à billet binational, mais licence unique, parce que c'est plus pour du dominicain que de vendre. Moi-même, j'ai toujours dit que pour permettre que Haïti, parce que sous l'ail, pas un produit interdit. Donc, Haïti n'est pas qu'à vendre l'ail. Le plus dominicain a besoin de l'ail. L'ail, son bail qui chère. Si on décide de faire commerce, elle vend l'ail avec le dominicain, c'est un commerce qui est rentable. Mais l'État dominicain bloqué, il y a mis des 6 fonds pour ne pas vendre. Cigarette, moi, je ne pas fumer, mais cigarette. C'est une cigarette d'Haïti, à l'OS, une bonne cigarette. Quand on parle de cigarette, comme ça, en Haïti, sous tes calvins, ni République Dominicaine, puis t'as bon business. Et pas bon coup. Et bon, alors, excusez-moi, je dois faire un tout le monde. Ok. Bon. Bref, et par contre, si vous avez la publicité, même le monde. Donc, pour me dire qui ça. Et ça, y'a ta plus grande échelle. Bien, l'autre bagaille, toujours que par contre, on est que une cadie, qu'on parle de l'autre produit, café. Parce que pas oublier que Haïti, qu'on est organique. Haïti, c'est un pays, en Amérique, qui est organique. Zaboka, en pile produit dominicain aptique organique, c'est sous ligne frontière à cultiver et puis à le vendre de l'autre côté. Il est passé comme organique, mais c'est dans terre haïtien parce que, effectivement, terre nous organique. Donc, même pour un petit échantillon, mais ensemble de l'autre bagaille. Oui. Qui ont un instrument, par exemple, que je me demandais, je toujours demandé pour créer, qui c'est la direction générale du développement des zones ou bien des villes frontalières. Direction, ça existe en République dominicaine depuis une trentaine d'années. Parce que ville frontière, il faut qu'on l'autre approche, c'est un très pays. Mais frontière, ligne pas nous, abandonné. Donc, ça, non, nous avons une politique pour eux, estimer une politique pour eux. Mais il n'y a pas continué. Estimer que la politique pour lui, estimer faible là. D'ailleurs, moun te gen tapou eto potable depuis 1946, moun te gen tapral et te gen place publique, te gen tout en série de bagages, te gen théâtre qui t'a joué, estimer que la politique et let où il y a, ça le fait même frontière là. D'ailleurs, parce que moun Elias Pigna des années 46-47, ta kon vin traverser, vin prendre eto potable, Belader et tout est obligé de fermer frontière, l'estimer que son bail qui fait de et il fait tout le bagage passer par Jimani. Donc, pour nous, qui ça, effectivement, son politique, nous avons dit que le gouvernement a été monté, il devait faire aérodrome, et comment on a été, voilà, mais pour ne pas être dans ça, mais c'était plus par l'empire. Et puis, par là, pas de rien de ce. Mais son politique, qui vous définit, nous avons mis de Edwin, qui lecture que le bien y est, concernant, parti ça dans le discours Abinader là, sur Haïti. Bon, alors, il faut dire que c'est correct. Ouais, nous sommes totalement d'accord avec Tolbert. Discours incorrect. Et la mention spéciale. Alors, il y a deux éléments pour signaler là qui sont importants pour nous. L'IWETI Haïti
dans le chapitre quand elle t'a parlé de relations extérieures, yo, alors ils mettent en sorte de fin à citation différents pays, yo, mention que le fait de différents pays, yo, et puis ils recommencent l'autre idée totalement et totalement distincte de ça que le tap dit dans la relation extérieure pour le mettre clair. Et c'est, on croit que c'était fort et façon que le t'exprime. Là, pour le mettre clair, l'importance que relation avec Haïti a gagné pour la République dominicaine. Et son message que le voyez tout, by ces groupes ultranationalistes qui allaient aussi loin que pas même d'accord en ce qui a trait à la coopération dominico-haïtienne ou haïtiano-dominicaine, ils ont pas d'accord avec l'amitié, avec les relations de bon voisinage entre ces deux pays. C'est eux-mêmes, rôle payo, c'est promouvoir l'ennemitié, c'est promouvoir la haine contre la communauté haïtienne en République dominicaine. Donc, l'un nous dit que nous d'accord avec le président Abinader et nous appuyons dans ça le dio. Côté que non seulement il y a engagé, mais il y a engagé l'État haïtien tout, il dit c'est deux l'État yo, qui pour présent, pour nouvelle dynamique ça que la promouvoir. Mais moi-même, et moi t'attends à ce que ça aurait été l'occasion idéale pour que l'imiter en cerise sous gâteau. Et moi, l'expliquer qui ça me l'a dit par là. L'investiture du nouveau président, selon la Constitution, l'est faite et le jour de la restauration. Et moi, et mon ami Tolbert a parlé de ça rapidement. Il rappelait l'aspect historique ça dans le début du discours là. C'est ça. Et il rappelait, lui-même cité le colonel Santiago Rodriguez qui t'a dirigé en brigade de 14 moun. Et ces brigades ça qui t'a à le prononcer ou bien qui t'a le relais, vive la République dominicaine, enfin nous libérer. Ça que même y aurait le El Grito de Capotillo, le cri de Capotillo. C'était le cri de la victoire. Mais ce colonel Santiago Rodriguez, monsieur son monde d'origine haïtienne du côté de sa maman, et puis si nous là, en pleine célébration, commémoration, non seulement de l'investiture, mais de la restauration de l'indépendance dominicaine, donc ça aurait été le moment idéal pour que l'y rappeler la contribution haïtienne à la République dominicaine, à l'appui d'Haïti à la souveraineté dominicaine, l'y rappeler pour la nation et dominicaine la présence et la participation active de ce colonel et d'origine haïtienne. Parce que pour moi-même, et pour nous, ouais, relations haïtiennes-dominicaines, même le, nous, on dit que c'est des relations cordiales, et en dehors de on sait des faits isolés, de violences qui connaissent entre haïtiens et dominicains, et c'est des relations plus ou moins acceptables. Mais cependant, dans le fond, c'est son situation plus ou moins similaire à ce qui se passe avec le racisme anti-noir aux États-Unis. Donc, son bagage qui l'attend. Et nous, ouais, comment et bah, ça a l'ivine retourné et sur le tapis avec la mort de George Floyd et tout ce que et nous enregistrait depuis lors et aux États-Unis. Donc, dans le cas haïtiano-dominicain, et cette question d'anti-haïtianisme et de certains secteurs, bien sûr, de la promotion de la haine et du dénigrement systématique d'Haïti, à partir dans ce secteur dominicain et même de la classe politique, les présents, les réels. Donc, il faut une vraie volonté politique. Il faut vraiment du courage pour que, enfin, nos grands mouns, et des deux côtés, hein, mais particulièrement dans la palais de la République dominicaine, grands dirigeants politiques, eh bien, qui t'a armé de courage pour dire affronter les situations, ça, afin que la gestion de nos relations soit une gestion totalement transparente, côté que nous reconnaître que nous dépendons l'une de l'autre. Et il y a des gens qui parlent d'interdépendance, il y a d'autres gens qui disent la co-indépendance. Donc, l'essentiel, c'est que nous partageons un même territoire insulaire et entre deux pays et qui toujours portent solidarité dans les moments les plus difficiles de la vie insulaire. Donc, si nous t'es fait pour eux entre 1863 et 1865 pour la guerre contre l'Espagne, mais eux même tout, en pile occasion,
yo te fait, par exemple, et pour recevoir des exilés anti-duvalieris, qui était même fait de la République dominicaine à un certain moment, en sorte de base pour la résistance anti-duvalieriste. Ou bien il était présent tout lors du tremblement de terre en 2010. Donc, et à partir de tous ces éléments que Napsian est là, il faut un nouveau modèle de gestion des relations entre Haïti et la République dominicaine, et c'est l'occasion idéale pour que n'arrive faire. Son nouveau partenariat. Un nouveau partenariat multisectoriel qui gagnera pas qu'à totalement équilibré, parce que même le président Luis Abinader démontrait préoccupation face au déséquilibre commercial et économique, mais il faut dire que l'aspect de ce déséquilibre dépend d'Haïti, dépend de notre capacité de production, dépend de l'intérêt que les acteurs du secteur privé ont démontré vers le marché dominicain. Parce que l'on considère le marché dominicain, hein, où il y a deux aspects, où il y a deux groupes. Premièrement, il y a ce marché ethnique que la communauté haïtienne représentait, et ensuite, il y a le grand marché dominicain, et le député Tolbert déjà a signalé des produits qui produisent ça, eh bien, il y a déjà gagné succès en République dominicaine. Et c'est peut-être ça où gagnait, par exemple, problème pour passer avec un caisse bière d'Haïti. À la douane dominicaine, il n'y a pas permis tout passer avec un caisse bière. Donc, en pile dominicain, Calvis d'Haïti, qui t'a souhaité retourner la caillou pour aller partager avec famille, avec Zamio, en bière haïtienne, il n'y a pas qu'à faire parce que la douane systématiquement saisit bière. Donc, nous avons cité d'autres produits tout et qui est leur arrivé en République dominicaine, il y a un succès. Donc, et là, il faut ce nouveau modèle et en profiter et de l'opportunité à l'INI, m'a saisi l'opportunité au nom de la Fondation Zile pour dire que nous déjà, nous-mêmes publiquement, et fait la proposition d'un sommet. C'est un sommet binational. C'est pas une simple réunion de la commission mixte et que nous connaissons très bien, que sont malheureusement et son organe qui pas assez performant et du côté haïtien et grand pile difficulté à cause de l'instabilité et politique. Donc beaucoup au-delà même de la commission mixte, on pense à un sommet qui pourrait réunir les représentants des forces vives de nos deux nations afin d'aider les dirigeants politiques à élaborer un nouveau partenariat, j'en dis, et définir un nouveau modèle de gestion de nos relations. Oui, Edwin, député Alexis, bon, si pas une utopie, nous connaissons pas rien qui a marché. Nous a brevé longueur frontière, ça, tout ça, le café. Parce que c'est pas seulement des usines capéan mettez, mais c'est ouais toute potentialité qui gagne, par exemple bon côté haïtien qui ça été mettre sous frontière pour dans ça qui concerne ça nous représenter, moi de musée jusqu'à université, et pourquoi pas pas ta université tout de pays à gérer deux côtés frontière qui t'a relevé niveau et bail d'autres possibilités énormes. C'est faut que c'est une grande vision, mais est-ce que Abinader son top la essayé by dirigeant haïtien, j'en parle. L'elle sorti dans carcan Haïti son problème, c'est nous deux pays nous yé, faut que nous goumen pour améliorer condition la vie peuple nous yo. C'est ça le dit en gros. Oui, alors déclaration que j'étais fait sur Haïti son problème, là c'est une époque où tu as un problème yo et puis tu parlais de ça mais pas trop dans l'élection. Mais moi je joins Edwin sur sommet, hein, il faut une redéfinition de la politique des relations entre les deux pays. Gardons bonne idée. Ben, parce que nous avons remarqué un bagage. Et nous avons remarqué un bagage. En pile secteur République dominicaine dit, quel que soit junta ou Haïti, l'éducation haïtienne reste meilleure que l'éducation paille. En pile secteur, malgré qu'on ait ou même, il y a des pizza, il y a un paquet de bagages, il y a des ordinateurs, il y a fait l'école, mais il y a été quoi que, il y a que, apprentissage des jeunes haïtiens, en langue, en mathématiques, dans ce type de bagages, depuis qu'on a une opportunité, le bras les vider. Ça, c'est à mon bon idée, dans le cadre de redéfinition. Et pour qui ça vraiment, pas gagner un musée d'histoire des deux pays, justement, sous ligne frontière, parce qu'on a une histoire commune.
haïtien par même connaît, nous t'as parlé de restauration, que Alfredo Desjean, qui c'est un héros de la guerre de restauration, c'est un commerçant haïtien qui a une puce photo, photo dans le musée de restauration de Santiago, mais allez me visiter, nous t'en pouvons faire photo côté. Bon côté, nous sommes haïtiens commerçants qui étaient traversés avec des troupes et l'argent, libre haïtien au Cap. On est au Cap qui vit une bataille pour Dominicain. Pour être capable de restaurer l'indépendance, et monsieur était ministre Hacienda, monsieur était ministre Finance dans le premier gouvernement de restauration. Monsieur sont haïtiens, monsieur là. Donc, c'est des bagages communs que vous êtes capable justement vraiment de mettre nos musées qui sont dans les frontières de tout le pays, au côté que qu'on paquet de bagages que nous avons appris, qu'on paquet de bagages que nous avons fait. Et le grand Grégorio Luperón, général Grégorio Luperón, que maman était haïtien, m'a visité. Il y a le musée Grégorio Luperón qui pour le Prata. Grégorio Luperón était fait pour le Plata. Dans le moment haïtien, tu as gouverné la République dominicaine, il parlait toute langue de créole français, maman c'est haïtien. Donc, toutes ces bagailles, moi, pile bagaille créole, moi, pile bagaille haïtien. Donc, j'en dis vraiment, il faut qu'il y ait pour nous relever le niveau de relation entre deux pays, parce que c'est deux pays voisins qui n'ont même nous partagé la même terre, c'est-à-dire qu'on parle de la frontière, nous avons 383 km de frontière. Donc, effectivement, il y a un paquet d'opportunités. Qui t'es qu'a fait, qui doit qu'a fait, et le problème qu'on a posé à lui très bon parce qu'il a toujours posé dans 5-10-15 ans, et il faut garder, au-delà de problèmes par nous-mêmes, je dis, hein, qui gens pour nous capables d'approprier nous et faire des propositions et quitter des bagages fondamentales. Parce que c'est là, handicap là. Au-delà de problèmes politiques de gouvernance par nous, nous devons toujours qu'à fond gens pour problèmes extérieurs ou externes qui ne peuvent pas attendre. Et cap dégradé ou bien des bagages qui doivent faire dans le moment pour le faire et puis pour nous capables d'avancer. Il y a plusieurs possibilités de coopération et de développement binational qui c'est dans la question environnement, protection environnement, qui c'est recherche, par exemple, dans le domaine végétal, ça qui est endémique pour Zilea Net, qui là seulement, qui méritait protéger pour la faune et la flore. Mais les animaux, il y a tout ça qui méritait protection. Je vais aller plus loin, je vais vous interrompre. Yo, avec le République dominicaine, il y a pétrole, et yo, il y a quatre là, ils me font tout sur ça. Yo, avec jusqu'à dans la zone lac, là, ça veut dire, yo, même, yo, qui a fait prospection, yo, l'arrivé dans la limite, pas Haïti, mais côté l'arrivé, là, non, pas zone Glof en chalet, parce que je suis député Tomazo tout, je suis dit zone non, dans zone Descubierta, ma zone sous Tomazo, je suis point qu'elle tombe dans la frontière. Mais côté limite dominicain, je suis pétrole dans la prospection, qu'elle tombe dans le lac là, Haïti pas capable de gagner, parce que le tout arrive dans la terre. Mais tout ce qui est commun, je dis, nous t'es qu'à exploiter, nous t'es qu'à, parce qu'il y a le problème de l'eau, le fleuve Antibonito, qui arrive, qui bat nos barrages pédiques là, et que il y a 33 millions de dollars que le Dominicaine demandé depuis longtemps pour coopération Almaïté Bali pour le décafon barrage. Un sénateur dans la zone et la Spignac Tapoumé. Et coopération allemande ne pas comme ça parce que je dis que c'est binational. S'il fait barrage là, depuis que vous avez Haïti, la fin de petit. Donc, ça veut dire que tout problème ça, il y a faune, fleurs, de l'eau et poisson, et ça fait me demander pour mettre des compétitions de limitation frontière maritime. Donc, tout problème ça, il va falloir adresser. Parce que il n'y a pas qu'un sens unique, c'est des deux pays. Mais il faut que les gens comprennent, il faut que les gens posent là, j'ai dû poser pour nous capables d'arriver à poser et dans quatre intérêts pays. Et en plus, justement, il faut que tu aies une politique sous question affaire de fleuve Antibonite. Non, parce que je ne veux pas dire un gros problème entre l'Égypte, Soudan et Éthiopie sont affaires de barrage. Parce que si que la République dominicaine font gros barrage, et d'être ça en amont, ou même en aval, on ne peut pas de l'eau du tout, non? Merci. Tout est pas ça fait dans le pays ligue. Moteur pays ligue, 100 millions de dollars, pensez mal. Tout est pas ça, c'est comme tu vas le perdre. Donc, ça veut dire, avant nous penser, Jean Wapia, justement, non, pas pélique, mais il faut regarder pour un aval qui s'appelle fait vraiment. Est-ce que vous-même, vous êtes et parce que je crois que vous avez joué dans le financement quand même pour vous faire parage par Eroa. Donc, tout est le fleuve là, le fleuve Artibonite. Le fleuve de l'Artibonite qui arrivait, calme dans la vallée Artibonite qui fait pélique et puis calme irrigué. Donc, tous ces problèmes, dans le cadre de ça, il y a un sommet parce que la commission mixte a vraiment et
depuis que l'ambassadeur Léon Charles fin quitté, et depuis bien avant, mais quand il y a son bail qui était arrêté à Mofnet, il n'y a pas de proposition de café, il n'y a pas gagné, il n'y a pas gagné que j'en fait la donne. Donc, je pense que faut qu'on l'autre espace qui crée, qui vous permet le problème de s'opposer, et puis pour être capable d'adresser et puis une solution avec. Edwin, qui ça qui t'a dit dans la rencontre entre Jovenel Moïse et Luis Abinader? Bon, nous pas gagné. Et un dirigeant contenu autre que ça que président et Moïse lui-même l'y rapportait. Et donc, on croit que nous parlons de ça déjà. Donc, alors, normalement, ça son premier tête-à-tête, un disait plus son tirant contre de courtoisie, pour cette occasion pour que Moïse t'a félicité Abinader, et puis, gardez pour voir deux, trois points. Et un petit peu dans l'air, un petit peu rapidement. Mais l'important, c'est que Foc finit par avoir une réunion beaucoup plus formelle. Entendez, il y a même un intérêt pour que Abinader ta vienne en Haïti après Corona, après ta fin gérer Corona. Mais je crois que son occasion qui a été ratée. Je dis pour qui ça, que nous raté l'occasion. Et l'on a regardé, d'ailleurs, Fondation Zile fait le devoir pour nous produire et deux types d'informations sur le coronavirus là, depuis la pandémie éclaté. Et on carte de l'île, et pour tout le monde capable de voir comment la situation sanitaire a évolué dans tous les deux pays. Et puis, il y a une infographie qui gagnait les informations essentielles publiées dans le bulletin épidémiologique chacun des deux pays de l'île. Et on fait son tour pour éviter mes informations, des informations qui ont gagné soit du côté dominicain, soit du côté haïtien. Donc, ça a beaucoup aidé, et même des médias dominicains toujours utilisés. Il y aurait les nous dans la fondation pour demander qui leur carte la sortie. Alors, moi, quoi, Haïti, t'as gagné, on va profiter de l'occasion pour parler de comment, quand même, nous arriver à gérer le coronavirus. Là. Même là, au niveau de l'État, nous sommes capables de prendre pile réserve et par rapport à ça que l'État lui-même l'a fait. Mais de toute façon, il est clair, à partir des statistiques que nous avons aujourd'hui, que l'impact du coronavirus est beaucoup moindre en Haïti et en comparaison à la République dominicaine. Et qu'il y a des institutions de prestige, quand même, du pays, tant que l'UEH, qui montait une commission de recherche. Et la commission, ça a l'idée finie, et qu'ils ont identifié plus de 75 ou bien 75, m'a fini bien changer ce chiffre-là, et ces différents médicaments, différents traitements, et différentes plantes. Remède feuille, que ont identifié, qui aidaient en gestion, qui est des populations justement à gérer coronavirus. Donc, vu que y a toujours pris un nom pour un pays qui a demandé, alors partout dans le monde, c'est demandé, nous ne pouvons jamais offrir rien, pour le moins, depuis après l'indépendance, parce que pour l'indépendance en 1804, eh bien, c'est nous qui venons, qui t'es contribué à casser les chaînes de l'esclavage de la race noire dans le monde entier. Mais depuis lors, il est très difficile à identifier et des domaines dans lesquels eh bien, Haïti pour ton contribution universelle. Dans le cas d'Haïti et de la République dominicaine, ça aurait été l'occasion pour que Haïti t'ait offert expérience que le fait lui-même et en ce qui a trait à Remède Feuillot, médecine naturelle, et nous t'as quand même et dit président Luis Abinader que nous prenons le vote au rapport UEH là. Et nous pral provoquer une rencontre entre les deux universités d'État afin que l'université autonome, comme qu'on est eux-mêmes tout, à un certain moment, à l'université autonome de la République dominicaine, OAS, à un certain moment, ils ont parlé tout de la médecine naturelle pour contrecarrer le coronavirus. Mais nous t'as qu'à prendre leadership ça en un moment hein, et nous offrir à la République dominicaine et cette opportunité d'échange entre nos spécialistes de la médecine naturelle. Mais en plus de ça, à un moment donné, et grand pile monde qui pas trop qui était même fait des critiques à notre ami député Tolbert, il était fait la suggestion pour nous offrir et un local
yon local et pratiquement que yon pas utilisé encore dans le coronavirus en Haïti et que nous t'a gagné au Frioli et même le en termes de distance bagala était difficile pour yon ta vin porter des patients là et bon et Tolbert t'a gagné au lancer idée et même le t'a gagné des difficultés en termes pratiques mais l'important c'est que Haïti gagne toute on dit et toute possibilité pour offrir kounya là des idées on t'a dit seulement des idées à la République dominicaine ou offrir solidarité à la République dominicaine en cas de gestion coronavirus et malheureusement nous pas fait là et oui moi depuis premier jour coronavirus là m'a dit ça m'bouquet dit ça moi dit fuck et nous faire recherche et puis pour nous paraître devant le monde entier pour nous dire nous-mêmes mais ça nous fait et fuck Haïti même d'accord nous faut aller plus loin pour exiger et bon côté OMS que reconnaître contribution ça dans bataille contre corona l'état il s'est pas fait ça oui tout à fait et c'est ta bonne occasion si tu me permets Edwin c'est ta bonne occasion vraiment Jean-Lili Dia pour nous parce que OMS pas non petite reconnaissance et en demi-teinte il dit Haïti bien géré Haïti la France Mauritanie mais pas parler de remettre faire yo il pas parler de Jean-Jamio il pas parler de sa frère il pas parler de ça yo il pas parler de yo et effectivement un paquet d'amis dominicains un paquet d'amis portoricains qui me dit comment faire Haïti contrôler par yo même yo dit que oui et que Haïti son succès yo même dans tête pas yo a réfléchi et ça est une dia c'est ça parce que dominicain lui même lit quoi que université c'est centre recherche c'est ça lié grand débat savoir recherche et heureusement pour l'université d'état t'es déjà près devant le fait ça ou mettez vos rapports université d'état li ta font gros bruit parce que yo même yo dit oui Haïti il y a 6 mois effectivement par un grand on craint contamination Haïti contrôlé ça qui a passé mais Haïti oui m'a regardé Liliane et tout une gadou ça le Haïti t'a ouvert l'école dominicain qui sont vote pour nous quand Haïti ouvert l'école nous-mêmes yo senti que Haïti qui est en dépassé yo dit même l'école ouvre en Haïti nous-mêmes yo dit effectivement dans ça yo dit nous toujours croyons que nous mouillons pas haïtien non c'est de bagaille mais haïtien yo yo brillent non paquet de bagaille que yo pas même fait journée pas même fait bouillir avec yo même qu'a opiner entre eux mais malheureusement aujourd'hui a l'état très bon mais l'état haïtien nous compte janvier moun yo pas tendé ou mettre pas une idée qu'a bon pour payer pas tendé lui mettre ta bon pour yo parce que c'est eux même qui dans opposition avec qui dit pas tendé moi même pas comprendre et vraiment pas mais président Abinader il voulait tout pour profiter et ça c'est exactement même situation pour Haïti de position géographique République dominicaine li dit que li à proximité bon dans pi gros marché gen sous planète là et c'est États-Unis yon nan pi gros li dit y a proximité gros marché ça yo li parler de situation géographique idéale et le fait que non carrefour et côté tout ka joue un rôle dans bataille démocratique et dans bataille pour avancement tout sous continent latino-américain dans même discours li dit que gen des défis historiques qui attend nous gagnons un écosystème industriel qui solide et nous gagnons une série de zones franches et nous tout près et principal marché consommation gen dans le monde nous gon position enviable ça c'est tout ça Haïti t'a dit c'est exactement même situation pour Haïti même situation alors ça c'est que Abinader lui même c'est un homme d'affaires, c'est un économiste, c'est un businessman, il y a une opportunité. Regardez comment monsieur fait. Il prend machine Tesla, machine électrique. D'abord, il parle de ça, oui. D'abord, il parle de ça. Machine Tesla, d'abord, il parle de ça. Lui-même, c'est opportunité, il y a. Ça veut dire que, il y a là, il y a un paquet d'opportunités de vendre, il y a soleil. Plage, c'est opportunité. Nous avons un paquet de plage fait, nous avons un paquet de plage de sapin, mais nous-mêmes, par contre, c'est une opportunité. Là, on parle à Dominicain, il dit, Ligon bel pays, nous avons tout bagaille disponible pour nous. Nous avons tout bagaille, nous avons soleil, nous avons tout bagaille. Dernièrement, m'a regardé et gagné une rivière dans une zone pédernale entre République dominicaine et Haïti. Rivière la ville, c'est des touristes dominicains qui sont dans la zone. Et puis, m'a regardé sur Instagram, il y a un petit cadeau d'opportunité de touristes. C'est pas dans ma poulard parce que tout investissement, ça va que le président Abinader de Brasser, il va l'impacter sur Haïti dans le sens que, qu'on paquette écosystème, qu'on paquette et rivière, ou paquet de ressources naturelles que deux pays ont partagé, que nous-mêmes, nous pas même mettre accent pour nous être capables d'exploiter, parce que, effectivement, nous avons une vision qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus large, Jean-Abdia, mais vraiment, problème de
problème pas nous pour nous connaître qui bonne bralé fait que nous pas capable de joindre route pour nous capable bénéficier de tout ça. Oui, et parce que lui dit faut que maximiser position géographique sous continent et pour yo capable mettre des entreprises qui a créé travail. Finalité justement, alors si pour me tourner sur la Chine un petit peu, on va parler de création de travail là. Finalité, ça la Chine a cherché dans la République dominicaine, c'était pour le capable dans cadre politique de la soie ceinturon que l'a fait pour le capable envahir la côte est américaine, non américaine de produits. Il t'a cherché dans zone Puerto Plata pour la pour dominicain parce que voilà son poko rivé dans face ça et c'est là qu'on pompier qui est en train de vent. La Chine a contemplé pour le bal son port. Parce que là, la Chine va encore bail comme ça, elle bail 600 millions déjà pour Punta Catalina. Si on vient de son côté, on pas capé. La cherche son côté pour bail son port, pour le capable passer avec marchandises et puis pour le capable monter dans zone dans zone dans zone côte est américaine. Mais fort liberté en Haïti. Alors problème qui vient dans Puerto Plata, on pas qu'être isolé. Parce que y a quelqu'un ouais que niveau de dimension port la Chine besoin, faut ta raison pas qu'être isolé. C'est ça qui vient non genre freiner développement. Ou t'as capable de relation de pays, après que depuis le relation en fin de milliards qui te promettent, c'est seulement comme pour ta Catalina qui baille, question yo stagné, non seulement sous pression américaine, mais dominicain yo, yo vin pas espace pour te baille, la Chine faire projet rien que le besoin pour le capable de transiter. Commerce lié. Mais Haïti, par exemple, qui est toute fort liberté, toute zone côtière, ça, dans zone, ça, n'est allé. Mais c'est que la Chine mandelle, c'est alors la Chine convoite-t-elle? Parce que côte Puerto Plata, zone ça, c'est des côtes qui chargent à l'isot, parce que Dominicain, tout, parce que faut le caser l'isot, et puis pour le tabac, ils font port, justement, que le pari quantité de terre disponible encore. Donc, pour me dire qui ça, opportunité là pour Haïti, et Haïti a beaucoup plus d'opportunités parce que, qu'on ensemble de développement, qu'on ensemble de schéma de développement qu'on peut rentrer là-dedans, et dans n'importe schéma qu'on peut rentrer, eh bien, on a besoin de disponibilité et ressources naturelles qui sont déjà là pour avancer. Mais malheureusement, comme je le dis encore, nous ne pouvons pas qui peut aller, qui s'en a fait, et il faut que nous décidions, parce que je vois passer. Pays a passé, nous-mêmes qui nous jouons pas chez nous. Donc, ça n'a pas décidé de faire pour pays à nous-mêmes qui ont une vision, qui comprennent, qui ouais, qui vont nous aller, et des fois, nous prenons des bagailles en main pour nous capables d'avancer. Oui, mais République Dominicaine a pile défi devant, nous reconnaissons ça tout, pendant la potentialité énorme, et semblait, monsieur, gon vision, que n'y pas mettre frontières dans la vision, il ramasser globalement tout ça, République Dominicaine capable de permettre. Que dit fait, bon, c'est 4 ans mandat là, nous prenons voir qui ça pourrait le passer. Mais, dans le problème, il pose, contrairement à ça, nous même pas ici de comprendre, et à partir de ça, dit dans le discours, moi, je vois que il y a un gros problème dans le système éducatif République Dominicaine. Il dit que le gouvernement parle la classe, un gouvernement pour assurer bien-être population. Il dit que nous pas qu'à aspirer à un plus haut degré de bien-être et égalité si que par l'éducation. Et véritable levier transformation société a, mais Nelson Mandela te dit déjà depuis longtemps, c'est éducation à connaissance. D'ailleurs, je ne veux dire, nous n'avons économie de connaissance. Licité Bertolt Brecht, mais ça le dit dans la citation Brecht, il dit, Bertolt Brecht disait, quel temps seront-ils qu'il faille défendre l'évidence? Eh bien, me voici défendant une fois de plus une évidence aussi grande qu'oubliée que la République dominicaine doit avoir le système éducatif qu'elle mérite et qu'il ne doit être autre que le meilleur. Il dit, c'est pas par hasard, peuple dominicain, hein, transformé comme une bannière, nous demande légitime et nécessaire pour que 4% produit intérieur brut pour le gouvernement mette pour éducation. Mais malheureusement, il dit 4% ça, il est mal investi. Et lui dit c'est plus business qui fait dans le secteur éducation. Nous pas commencer avec un avantage quelconque. Et selon Banque mondiale, l'espoir dans la question scolarisation un petit monde dominicain, c'est 11,3 lié, mais scolarisation effective, gestion compétences non, li réduit à 6,3. Li dit 20% de étudiants nous yo pas fini cycle enseignement primaire yo élève yo et li dit gon fossé entre diverses institutions. Alors que nous-mêmes, bon, ici, dans le dépensé, c'est ton l'école universelle qui te gagne en République dominicaine.
Il parlait de formation éducateur poser problème, programme qui gagne dans centre éducatif yo, et il dit situation nous détériorée dans rapport PISA et depuis 2015, yo placé nous journée jodia dans dernière place sous 79 pays dans mathématiques, dans sciences et en 20 dernière place dans lecture. Nous t'es au courant de ça? Oui, nous t'es au courant de ça. Nous prenons une avancée. Effectivement, il y a des efforts qui fait, mais tant que Jean et les dépendants vraiment, 20% si nous n'avons pas fini l'école primaire, et bon, il y a un pile efforts qui méritent de faire vraiment. Mais comme l'on dépend de problème, ni, même parce que ils ont fait des efforts en matière d'infrastructures, à savoir bâtiments, et construire bâtiments, mettre des chaises, mais là, lui-même a parlé de qualité d'éducation en soi. Oui, effectivement, qualité, et ils ont pu travailler en pile sous lit, mais soit gâté, soit on a le plus de week-end, soit on a l'autre, on a l'avant, on a un pile et bâtiments physiques qui montaient. Et ça qu'il fallait parler depuis six là, construire caille, bail contrat, pour construire, pour faire chaise, pour faire banc, etc. Mais en termes de qualité vraiment, et qu'en pile, en pile, en pile effort pour eux. Non, lui dit diagnostic système éducatif non sans appel, et lui grave. Ouais. Et moi même pas gain intention ouais. Pour me corriger situation ça, et me pas permettre moi pour ça continuer. Oui, non, son constat grave. Oui. Même pas ouais, que et spécialiste dans l'éducation que nous avons en Haïti, c'est Nesmi Maliga, et qui connaît le système scolaire dominicain, qui probablement, un jour, on doit m'appuyer pour inviter lui, pour nous faire différence là, entre le système éducatif dominicain et le système éducatif haïtien. Et parce que, même ça te surprend, mais, comme moi, pas spécialiste dans le domaine là, pour moi, comment monsieur décrit situation, comment il décrit réalité, et surtout, comment il a commencé à faire une série d'activités et prendre une série de mesures pour redresser, pour essayer de redresser la barre quand même. Et ce qui est important à dire aussi dans le cadre de ça, c'est que il était déjà connaît ça que vous devez faire. Et il a profité de anti-transition qui était très courte. Pour faire des échanges entre les deux équipes, équipe sortante là et équipe cap rentrée, hein, afin d'atterrir rapidement le et les nouveaux responsables, et bien, ils prennent possession de boîte. Yo. Et dans le domaine de l'éducation, t'es une réunion qui t'est faite avec une association de professeurs, c'est ADP, Association Dominicaine des professeurs. Ils ont été d'accord avec ADP hein, pour mesure que ils ont commencé à mettre en place. Donc, moi-même, je suis surpris par la situation de ça, Lili. Il parle de défi sécurité, tout en République dominicaine. Il dit que sans loi, pas de sécurité, sans sécurité, pas de liberté, sans liberté, pas de démocratie. Et quiconque qui a essayé pour sacrifier une valeur ça, pour préserver une autre, a perdu tout. Et monsieur posait problème. Et il parlait de système de sécurité, de la police, non? Et qui ça nous connaît de problèmes de sécurité dans le pays République dominicaine? Bon, ça me casse de problèmes de sécurité. Parce qu'elle dit que la sécurité a touché plusieurs milliers de Dominicains. 77% de la société a considéré la criminalité comme principale préoccupation. Oui, alors, qui est fort la merde? Ça veut dire que attaque, comme si. Au moins, pour regarder là, parce qu'il y a une caméra de surveillance, et puis deux, trois mounchita, non colmado, non type business, son boutique, on bat, il y a point, et puis deux n'est pas être sur moto, et puis il frise tout le monde. Et donc, ça a monnaie courant, et criminalité, pour permettre, pour faire citoyen vivre, pour li très présent, comme si li récurrent, bon, mais c'est très présent. Et well tout, comme si vous vivez. Ça fait que, soit entrer la caille, soit la caille au plus dominicain, ou entrer faire n'importe où. Donc, en Haïti, on a la caille pour ne pas faire n'importe où. Même quand on est en caille là, au plus dominicain, il faut faire n'importe où. Donc, c'est attaque, comme si voler, entrer, voler, caille, monde qui est facile. Il est courant et well, et il est victime de lui et il souffre. Ces derniers temps, il y a des gens qui ont géré dans la banque, une dame qui a été tuée, comme si bien avant ça. Mais comme si c'était des bagages qui impactaient, comme si c'était des bandits, et puis qui frisent mon yo, et puis qui volent la feuille, volent les téléphones, comme si
l'irrécurrent vraiment que population sentit bouquet ou bien. Et vraiment gagner insécurité en République dominicaine, qui est très présente. Ah oui, non, c'est grave. Et moi, d'accord avec la description que Tolbert a commencé à faire. Et c'est pas tout. L'insécurité, on a dit que nous-mêmes en Haïti, et nous avons une sorte d'insécurité qui est liée à des débats politiques. Mais, par exemple, il n'y a pas de gang. Il n'y a pas de gang armé qui a flâné dans la rue. Mais le crime organisé, et le crime organisé à différents niveaux, et il y a, on dit, des grands groupes criminels qui eux-mêmes ont fait de grandes opérations criminelles et nèg qui pral attaquer banque ou bien nèg qui a géré la question du narcotrafic les cartels de narcotrafic et qui ont des liens soit avec cartel en Colombie ou bien même au cartel au Mexique. Donc, le crime organisé est très fort en République dominicaine. Mm-hmm. L'on prend le niveau que le député Tolbert a expliqué, hein, et le niveau là où il y a, c'est encore plus grave. Moi, toujours, on a parlé de sécurité en République dominicaine, toujours par l'exemple de cette jeune policière qui a fait transit, qui a fait circulation, et en pleine rue, l'avenue d'Amérique, l'avenue du Mexique, et dans le carrefour Duarte, avenue Duarte, qui est là, ici, on est, eh bien, à 7h du matin, deux nègres parlent de son moto, non seulement au frisli, ils ont balle, deux balles, et puis pendant la terre, ils prennent le revolver, ils y allent avec lui. Bon, effectivement, avec cette question de vidéosurveillance qu'il y a dans la ville, ils sont arrivés, où est côté négro à le cacher et puis bon yo voyo à l'infinitif. Est-ce que le policier a mouru? Yo fait échange de tir et puis yo dit négro mouru dans échange de tir. Alors on peut pas nous arriver sous ça et puis m'en faire rapidement. En plus que nous avons une loi, la loi de la fuite, la loi de la fougue. Comme si sous tu un policier depuis au final marqué photo, yo bon délai pour rentrer tout, pas rentrer tout. Si yo tu yo c'est un coup, ça veut dire au pire sujet mouri parce que yo vinn pas responsable encore. Yo vinn pas responsable encore parce que yo vinn pas responsable et ça fait en pile dans bandi yo, c'est presque joint et tout là ça définitif tout passé. Parce que tout une caméra qui capte figure moun et puis debout fin faire action, yo capte figure, yo baille figure, pour vinn présenter tête tout et puis debout pas présenter ou aller. Ma fond moi je m'appelle souli on bagaille tout. Yo même fait, et délai de comparution par yo c'est 6 heures de temps lié dans le code de procédure pénale par yo. Nous même nous gain tellement yo même pas par avancer, nous même nous gain 48 heures de temps le arrêt ton monde dans la police. Yo même pas même bonjour. Ça veut dire que son bail rapide fiscal yo, ça veut le commissaire gouvernement toujours tout là. C'est commissaire gouvernement substitut c'est qui tout notre tête police là. Dernièrement, tu comment qui était frère laconique et donc tu as parlé de ça, c'est yon. Il y a un bandit qui prend un petit monde en otage avec un fils. Et puis, bandit a dit, il faut un ballon paix qui pouvait ne pas aller pour lui. Et puis, pour ne pas le confesser devant père. Il y a un colonel police qui met un rat de paix et puis il est entré et puis tout fusé, monsieur. Donc, quand il dit que eux-mêmes, ils n'ont pas presque, c'est tout bandit, puis le bandit, c'est tout vaut à l'infinitif parce que bandit, c'est un très haut. Vous savez, c'est un très haut et plus dominique. On oblige à faire une comparaison parce que nous n'avons pas de sécurité en Haïti. Nous-mêmes, qui connaissons toutes deux sociétés, qui compte plus de sécurité? Statistique, il y a plus de sécurité en République dominicaine. Statistique, il y a plus de monde qui mourit de violence en République dominicaine qu'en Haïti. Et même la violence de type domestique et violence de type féminicide, il y a plus de femmes qui mourit de ménage, de mari. Féminicide. Féminicide. Et pour reste violent surtout. Mais comment expliquer l'attractif? Comment expliquer malgré ça, République dominicaine attractif pour touristes haïtiens qui vivent dans le pays étranger, c'est là qu'ils font vacances, ils ne sont pas même venus en Haïti, ils vont chercher femme, ils viennent joindre en République dominicaine pour eux-mêmes, ils ne sont pas victimes de sécurité en Haïti. Comment expliquer ça? Est-ce que la République dominicaine a une propagande différente? Le secteur tourisme a l'autre type de sécurité. Mais à Punta Cana. Alors, Punta Cana, son communauté, bon, Tolbert est capable de parler très bien de Punta Cana, mais Punta Cana a une propre sécurité pâle. Oui, propre sécurité pâle. Pour faire un point de ça, et pas seulement le secteur touriste, il y a un fond en main pour contrecarrer
sont capables les même les efforts, toutes informations qui prennent sortir sur la République dominicaine, qui a impacté le secteur touristique là, secteur a un phénomène pour ça dans la question presse. Dernièrement, il y a un scandale, côté que le journal anglais Vogue, c'est sorti une photo sur plage et le Samana comme si plage était sale. Et bah, ça a été couru, un gros scandale. Effectivement, Poli tout là, gon poli spécial. Et pour Ntakana, yo tellement met ton contrôle sous lui. Pour Ntakana, li mandou, c'est doulo, li mandou que papier identité. Si papier identité, c'est là où mana, li vite prend ou almen ou côté parce que yo parle moun marché là. Parce que son zone qui presque exclusif dans zone pour Ntakana. Ça veut dire que moun kon a pas marché à faire inspection. Et puis, de moun kap di moui, poli sa prend de papier, même des Dominicains qui sautent là ou mana, le ou mandou c'est doulo là, yo tout bon. Plutôt monter là au Manabito, parce que l'important pour zone s'arrêter, c'est parce que vous connaissez son zone qui a généré devise. Donc, et n'a pas tout que en pile haïtien, seulement n'est quoi par avant, avant y'a une question, à passer vacances, on dit, y'a pas qu'on réalité. Mais, comme il est important, dans zone Punta Cana, sous ta paix, tu bagaille. Ça veut dire que même quand il y a des gens qui ont paix, tu des bagailles, eh bien, la police joigne rapidement pour te balayer. Ça veut dire que même moun kap fait pickpocket, kap fait petit vol, la police qui contrôle yo. Et yo tellement préparé ça en charge, ça veut dire que toute communauté, tout moun qui t'a là pour créer une insécurité, eh bien la police développe une sorte de proximité avec elle. Et yo même fait des sensibilisations, yo explique aux touristes là, son industrie, c'est l'argent de côté de visite de côté, pas attaquer. Ça veut dire qu'aucun touriste là, ou chine ta Punta Cana, ou qui ton téléphone, eh bien on apprend que. Après ça, la police a joint nous pour le bord téléphone parce que c'est pour montrer que on fait un contrôle le ensemble de bagages. Donc, c'est des bagages qui sont bien organisés parce que pour Punta Cana, son coin industrie, c'est un touriste là-bas, son bagage qui est phénoménal et ils font une manière pour être capable de toujours qu'un pays standard. Dernier chapitre, n'a pas concernant un défi qui attend Abinader, c'est question corruption. Et d'après ça, il dit démocratie, République dominicaine, subit gros dommages concernant pratique corruption gagnée. Il une démocratie de qualité. Là, nous sommes pratiquement dans la troisième décennie, dans le 21e siècle. Nous n'avons pas qu'à accepter ce genre de situation. Ça, il exige une responsabilité, sortir en bas, monter en haut. Ça veut dire un système qui a freiné et un contrepoids entre pouvoir l'État yo, pour pagayer un ken yon qui remportait sous l'autre, qui dominait l'autre. Et le gouvernement il doit soumettre en contrôle de façon permanente. Et dans mes citoyens et dans transparence. Et il dit, c'est ça, démocratie. C'est pas seulement le monde a parlé ou a dit démocratie dans la bouche, mais il parlait de pas l'objeté bulletin seulement pour élu monde chaque 4 ans. Mais il dit que corruption dommageait sérieusement démocratie dominicaine. Dans ce sens, il dit d'y engager le bon côté peuple dominicain et devant famine avec dans mémoire propre papale. Pour diriger pays à un gouvernement capchita sous transparence et éthique et côté l'argent peuple l'a géré et de façon propre et de façon totale de façon absolue. Et dans ça Lili, il y a deux bagages pour nous souligner. Premièrement, monsieur gon pression de son électorat. C'est-à-dire que l'électorat Abinader là, il était voté contre la corruption, contre toute qualité scandale, côté que des anciens, des fonctionnaires de l'ancienne administration t'es impliqué. Donc, il y a eu un changement, et changement t'es pour eux, particulièrement avec la question de la corruption. Il y a eu un peu de monde dans la société dominicaine, t'es scandalisé pour eux, et le PLD, comme un parti, et qui était même en sorte de parti de centre-gauche, et avec le professeur Juan Bosch, il y a un peu de monde qui est quoi. Que côté Juan Bosch en bataille, on va faut que monsieur a souté colis pour le et faut que monsieur indigné après la mort pour le et façon que en pile dirigeant parti que le créé son série de bases éthique et morale, eh bien les dénaturaliser tête li et que c'est des monde en espagnol yo dit que moun yo yo te rentré dans le gouvernement avec sapat nan pi yo et puis yo sorti avec llegaron con sapat con sandalias si salieron con jipetas yo rentré avec sapat nan pi yo et puis kounya là le a sorti sans ba gros jip que a sorti bon là monsieur gagne deux actes que le poser et le jour de son investiture
et qui montre clair que et bon nouveau chemin que gestion par là pour le prendre en rapport à la question de la corruption. Nous avons même gagné trois. Alors, mais il y a deux qui fêtent le jour même de l'investiture. Premier acte là, c'est que M. Nommé est comme la grande figure qui prend la bataille contre la corruption et son femme que tout le monde respectait et en République dominicaine, ancienne vice-présidente de la République, et la palais de Milagros Ortiz Bosch, et qui famille Bosch d'ailleurs, et qui lui-même, bon cheminement est intachable dans la politique dominicaine, et ça a été une décision acceptée unanimement par la société dominicaine. Et il croit dans Milagros, il croit que Milagros, il n'y a pas pral, il y a un monde qui pral, qui pral en figurant dans la boîte de lutte contre la corruption. Son boîte pour l'éthique, on va oublier nos boîtes exactement, mais de toute façon, ce sera la figure centrale et du gouvernement dans la lutte contre la corruption. En deuxième lieu, monsieur est nommé un procureur indépendant. Et ça, c'est pour la première fois que ça fête en République dominicaine, côté que c'est pas un monde proche et président, ou bien c'est pas un monde et non parti, hein, que monsieur Baye poste ça, et qui pourra cacher des dossiers, et qui pourra fabriquer d'autres dossiers, soit contre l'opposition. Donc, tout le monde a apprécié le choix de la magistrate Myriam Herman Brito, qui était vraiment maltraitée et pendant l'administration de Danilo Medina, leur a choisi et ils ont de nouveaux membres pour la haute cour de justice en République dominicaine. Donc, ils ont fait passer des mauvais moments que la société dominicaine n'a pas apprécié. Et donc, à cette occasion, je crois que l'idée de toute justice, que le gouvernement, l'administration Abinader n'a reconnaît plus et mettait l'opposition que le méritait et l'opposition côté que tout le monde a battu à une nouvelle gestion de la justice en République dominicaine, assistée dans l'autre dame tout qui est très respectée en République dominicaine, Jenny Berenice, et qui font cheminement dans l'appareil judiciaire de dominicaine totalement acceptable, totalement correct. Mais troisième élément, c'est la signature d'un pacte d'éthique. Côté monsieur fait toute minutio, directeur général, tout monde net engagé d'être et non document, côté que il dit, eh bien, il va lutter contre la corruption, il est engagé à ce que dans la boîte que il va diriger, hein, pas bien, il même personnellement, il va pas situer des actes de corruption. Donc, c'est des éléments et qui vont envoyer des messages très forts, non seulement vers ces nouveaux responsables, mais vers toute la nation dominicaine et en rapport à une volonté politique réelle de lutter contre la corruption et de faire une rupture avec l'ancienne administration. Cependant, ça capte monsieur là, grand pile monde capte monsieur, dans Kafou 4 chemins. C'est-à-dire que, ou après une organisation ou bien un mouvement comme la Marche Verte. Et la Marche Verte, son gros mouvement que... Anticorruption. De la société civile était lancé il y a 2 ans. Et ils ont fait plusieurs gros manifestations et côté ont mobilisé des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers de monde et en République dominicaine à plusieurs occasions. Donc son mouvement qui était venu à une représentation nationale et même internationale à travers de la diaspora, parce que leur fait activité en République dominicaine, des communautés dominicaines de la diaspora, qu'on a fait des activités parallèles. Donc, et malgré que certaines figures de ce mouvement Marche Verte retrouvées dans la nouvelle administration de Luis Abinader, parce que Gagné qui nommait dans des postes, mais ça qui était, qui n'a pas qu'un poste, et qui n'a pas besoin de poste. Il dit qu'il n'a pas besoin de poste. Il dit très clairement qu'il y a peut-être jusqu'en janvier. Si en janvier, il n'y a pas de monde qui est derrière les barreaux, donc ça veut dire que c'est casser feuille, couvrir ça, que le gouvernement Abinader là a fait. Il a commencé à préparer pour affronter
l'administration d'Abinader au cas où et pas gain suivi dans toute belle parole qui était dit dans toute belle promesse que monsieur était fait par rapport à la lutte contre la corruption. Yo pas voulu pour gain impunité. D'ailleurs, c'était l'essentiel du discours et des responsables de la marche verte, yo contre l'impunité et yo tient à ce que et dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, commencer bon mouvement pour marcher pour un monde, marcher arrêter un monde que vous connaissez qui est impliqué dans des scandales de corruption, particulièrement ce gros scandale, tant qu'on nous gagne en Haïti, qui c'est Petro-Caribé, vous même vous gagne en République Dominicaine, c'est Odebrecht. Odebrecht, et brésilien. C'est une compagnie brésilienne ça, qui est impliquée dans différents pays, dans la distribution de pots de vin. Pour conserver Monsieur, pas la pression. Oui. Pas fini. Nous devons ajouter dans tout ça, il y a une vidéo qui est très bon. Et il y a une mesure qui est très intéressante, Libran. L'ITISOUD, le bureau de la première dame. Bureau de la première dame, là, et il y a que l'ITECON budget qui pique que mairie Santiago, par exemple, parce que la ville de Santiago, il y a 1 million de monde et quelques. Si on peut capturer 1 milliard et quelques de pesos, il y a près de 400 combien employés. Première dame, là, le plus haut de la première dame. Eh bien, madame, je te promets dans la campagne, parce que, mais on te voit tout que ces dénominations, ça veut dire le bouteille, déjà. Bon, bouteille, déjà, c'est tant qu'on a cadeau bouteille. Et tant qu'on met ton mouille campé, ou bien on contrat, mais ça ne va pas faire rien. Ou bien 150 000 pesos, 3 000 dollars américains par mois, 2 000 dollars américains, etc. Donc, je te promets ça, et je te vois que c'est des mouilles. Qui n'a pas dit, ou que c'est des sympathisants, ils ont permis aux gens un emploi dans le bureau première dame là, sans qu'ils n'ont pas de fin. Effectivement, monsieur, et qu'on gagne un budget très haut, des milliards de pesos, donc, et première dame là, bureau première dame là, tape géré. Donc, monsieur Tissoudli, parce que vous que c'est un côté, ils ont détourné l'argent, etc. Gagne un ancien directrice tout qui t'a fait achat pendant la période Covid là, en Franco. Et commissaire gouvernement procureur là et fiscal général qui est en relais. Ça veut dire que yo commence à relayer des moun pour des actes présumés de corruption pendant monsieur Montéa qui est au premier moun qui est relé de Danilo Medina qui a révoqué demoiselle Zach qui est responsable pour faire achat et matériel et sanitaire et lutter reconnaître si madame reconnaître tout pendant sous Danilo que bah il était mal passé il a commencé à relayer. Donc je pense que effectivement monsieur Blanc c'est des signaux très clairs. Parce que yon a signalé Myriam Germaine Brito, qui nomme procureur général, qui sont juges dans la Cour de cassation, dans la Cour suprême, là, qui t'a passé examen ou bien qui t'a déposé candidature devant le Conseil supérieur de la magistrature dominicaine. Jean-Alain Rodriguez, qui s'est ministre de justice, procureur général sortant, fait pas son mauvais moment. Premièrement, il y a son attaque qui a fait sous les comptes. Parce que je ne suis pas de traiter d'amener publiquement comme ça la petite parole qui était blessant, qui était sous continuité. Eh bien, c'est même Myriam Germaine Brito ça qui remplaçait Jean-Alain Rodriguez. Ça veut dire ministre de justice qui t'a fait passer un mauvais moment, puis c'est lié à Abinader. C'est des actes très forts, c'est des signaux très forts. Mais qu'on a la corruption. Ouais, pour qu'on est ce que l'on est capable de kembe. Et monsieur conscient de ça, tout dans le discours là, il dit que ce n'est pas belle parole, parole douce, promesse, il n'y a pas fait promesse qui n'est pas chita sous rien, parole d'eau pied enflée, ou bien pour la dégager de faux horizons par le peuple. Parce que il dit, côté lié en tant que président dans haute magistrature, ça que l'assumé, je ne veux dire, d'essence, pas permettre lui pour taguer un comportement aussi irresponsable pour le tap ou les mounions dans farine. Parce que nous vivons dans un moment qui est plus difficile dans l'histoire, nous, et nous n'avons pas gagné en comparaison par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, ni tout nous n'avons pas gagné aucune recette que nous sommes capables de nous appliquer parce que nous n'avons pas existé tout simplement. Monsieur dit, route la li ap long, route la li sombre, mais li déterminé, d'après ça, dit en gros dans le discours là. Mais m'a fini sous quand même un coup d'éclat, monsieur fait par rapport à ce que nous vivons. Et c'est là, monsieur, parler de machine ça, qui c'est Tesla, que nous connaissons, un homme totalement iconoclaste, et dans le pays États-Unis, Elon Musk, qu'on se voit. D'ailleurs, fait que ça fait une grande première là, pour la première fois, et une compagnie privée, menée de astronautes américains dans l'espace. Elon Musk réagit favorablement, dans les déclarations, président dominicain, qui dit que c'est dans Tesla, qui prend le rouler, ça veut dire un clin d'œil, à environnement, à nouvelles technologies. Tout à fait. Ça, c'est un mot qui est important parce que
électricité propre. Ça veut dire que parce que ce sont machines qui électriques et puis qui parce que c'est la transition écologique et ça veut dire que monsieur très futuriste, ça veut dire que là il est très loin Abinader parce que ça va rien vraiment j'ai dit à son côté là va rien qui va attendre parce que son petite machine basse et puis en plus son machine écologique qui pas gain trop impact sur l'environnement parce que ça son bon bagage parce que l'environnement nous en souffre parce que Haïti nous a 0.32% couverture forestière la map formatée que la République dominicaine supervisée GPL gaz liquado ça veut dire que gaz pour panne sur yo subventionné depuis 25 ans gaz qu'on a fait manger et c'est ça que font en pile monde virer machine en République dominicaine en pile machine tout vini sorti Corée du Sud et à Hyundai. Et en pile machine ça est venu avec système gaz liquide gaz propane et yo en pile couverture forestière yo près de 32% après aller donc nous même aujourd'hui il y a toute sous nous pas gain nous dans 15 ans yo que Haïti a des problèmes d'eau potable toute sous a séché et charbon n'a coupé pour nous faire pied boy a coupé zaboka a coupé dans grandeur pour faire charbon faut que l'état s'il t'a font bagaille qui vraiment sérieux faut ta retirer subvention sur diesel là pour mettre le propane pour gaz propane dans tes cavane 25 gouttes 30 gouttes gallon et puis pour t'a prendre souffle dans question charbon et de bois qu'a coupé donc parce que la vitane d'elle font bagaille qui vraiment audacieux c'est vraiment t'a un gros bagaille il fait dans le sens que li vin avec machine parce que monde qui t'attend ça parce que tout monde t'a pas l'attendre tipio et bien pas rouler au li finat machine Tesla, il vraiment font bagaille qui original et qui en plus monde parler de lui et l'invité et Elon Musk aujourd'hui mais fondateur machine ça l'invité il vient investir en République dominicaine parce que et on va le puis devant pral gagner pour ta Canada déjà qu'il des bornes électriques côté qu'on charger machine dans la rue monde qui est machine électrique dans Punta Cana parce que en pile étranger qui vient prendre très tôt Punta Cana c'est petite machine électrique yo roulé et on va le puis devant et son marché qui va l'ouvrir pour Elon Musk. Ni déjà répondre favorable et on va le puis devant ça pral peut-être en source de et de débouché économique pour la République dominicaine parce que président tant que j'aime dois Abinader qui sont hommes d'affaires qui sont économistes qui sont nés qui étudient qui rejoignent dire sont américanophiles la cherche opportunité li comprendre opportunité li ouais opportunité depuis le li voler sous lit li saisir sous lit li saisir et li va en gros clin d'œil et ils font bail d'éclat et en tout monde pas attendre ça et tout monde vraiment applaudi non seulement d'éclat c'est premier président qui a roulé dans une machine électrique le premier président qui a roulé dans machine électrique et une machine qui pas extraordinaire, une machine qui pas imposant et une machine justement qui aide l'environnement. Ça veut dire que parce que et cela est d'une d'abord, nous avons un électorat jeune, nous avons un électorat de classe moyenne dominicaine jeune, des mouns qui travaillent, qui ont fait 2-3 000 dollars américains, 1700 dollars américains de salaire, des mouns qui comprennent avec l'environnement, des mouns qui augmentent un changement dans la question politique énergétique. D'ailleurs, moi que je critique Danilo en pile dans les commentaires. Parce que Punta Cana son bar à charbon, parce que Jovenel Moïse te dit que le bras le fond bagay à gaz et kafou, yo dit mais gagne les gardez et président ici en tant plus vision que président Taiwan. Dis ça seulement hein, dans commentaire qu'a fait. Bien que nous parfois son bagay cap et réel en Haïti. Donc effectivement Abinader a fait en transition vers question écologique qui est très bon et nous-mêmes ici justement son bagage pour promouvoir parce que yon n'a pas qui pis souffre dans question écologie dans question environnement c'est Haïti. Pour finir net est-ce que nous t'a dit c'est un visionnaire? Et oui, on a dit ça parce que li vraiment connaît tant que j'ai d'une table pour exercer une relation avec Haïti, li vraiment connaît résistance qui dans société a. Nous t'a parlé tout à l'heure off de et en dehors de micro de Losano dont monde que li nommé dans Institut dominicain de d'immigration. Li qu'on institué et puis gagné direction générale de migration. C'est non, non, m'a parlé globalement, et pas seulement par rapport à Haïti, parce que même geste qui fait par rapport à Tesla, et c'est une option qui prend pour l'avenir, qui montrait que M. Livlé, il parlait plusieurs fois de 21e siècle. Livlé pour le montrer, ils sont un monde qui implanté dans le siècle. Mais est-ce que c'est opportuniste ou bien est-ce que c'est réellement un visionnaire? Je ne peux pas dire qu'ils sont réellement visionnaires parce que il y a deux bagages qui montrent. Le premier, M. Mandé, dans des discours qui fait pour anglais, ta ville, langue, parce que lui, ouais, ça va le montrer. Lui, ouais, ça va lier. Bien que le bac a vraiment d'arrêt, mais lui, prend anglais. Et lui, plus dans la ligne transition écologique. Parce que tant que j'ai une tape, là, monsieur, son nez qui fait après Trouillot, monsieur, c'est un nez qui a dit, livré sorti de politique traditionnelle dominicaine. Livré aller au modernisme, justement. Livré projeter
tout au moins projeter-le vers l'avenir, vers la génération portée au pouvoir qui veut une véritable rupture avec l'ancienne politique, avec l'ancienne école politique de Léonel et de Mounkilao. Effectivement, c'est ça, monsieur, voulait suivre électoral, là, qui sont électoral jeune, dynamique, qui voulait des bagages modernes, c'est cela, monsieur, voulait pocher tête. Eh bien, il y a rendez-vous avec l'histoire. Oui, Edwin. Tout à fait. Oui, oui, mm-hmm. Oui, Lili. Non, moi totalement d'accord. D'ailleurs, mal plus loin. Et c'est-à-dire que m'pa ou est seulement l'actuel président qui a la grande responsabilité de diriger et la Banque nationale en République dominicaine, mais ouais, c'est cette classe dirigeante dominicaine, c'est la classe dirigeante dominicaine, c'est le leadership dominicain qui a une vision pour le pays. Et vision, ça. Et c'est de transformer la République dominicaine en un pays leader de la région. Donc, c'est dans mon cap bataille pour porter la République dominicaine, pour mener la République dominicaine vers le niveau du Mexique, le niveau du Brésil, le niveau de Costa Rica. C'est vers là qu'on peut aller. Et leur arrivée, leur niveau comme ça. Donc, et en effet, quand on a voulu comparer avec Haïti, donc, ouais que. Bon, absence de vision totale de notre côté, alors qu'il y a une sorte de communion d'idées, bon, vision commune des différents secteurs qui forment le leadership national en République dominicaine pour mener la barque du pays vers une destination précise. Donc, yo vle et yo fier de pays, yo fier pour yo t'arriver dit que pays ça, et bien qu'on y a là, les leaders dans différents domaines, c'est peut-être ça. Jean Tab dit tout à l'heure dans l'analyse du discours là, eh bien, ils font constat au niveau de l'éducation qui sont constats extrêmement négatifs. Donc il dit bah ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Ouais, pour une classe dirigeante qui voulait pour que pays ça devienne un pays leader dans la région, hein, donc il faut revoir le domaine de l'éducation. Donc c'est même Jean pourra porter les corrections qu'il faut dans différents domaines afin de renforcer un leadership que la République dominicaine a déjà gagné, par exemple, dans le domaine touristique. Dans le domaine touristique, il y a définitivement quitté derrière un pays comme la Jamaïque, ou bien il y a quitté derrière, et même Porto Rico, qui est une destination touristique importante dans la région, eh bien, actuellement, il a parlé de destination touristique dans la zone des Caraïbes, et ça que Canadiens gagnent en tête, yo, ça que Américains gagnent en tête, yo, c'est la République dominicaine. Et puis après Cuba. Ouais. Après Cuba. Oui. Et bien, oui. Nous pourrons suivre Abinader, nous pourrons suivre Mandat, et nous pourrons pour nous reparler de ça encore. Très bien, sans problème. Exactement. Merci Edwin, merci Maître Alexis, est-ce que nous avons participé dans l'émission ça?